Eh ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, il est midi 1. Nous sommes le mercredi 22 octobre 2014 et j'espère que vous allez bien. On est bien mercredi aujourd'hui? J'ai un doute. Oui, on est mercredi. C'est comme ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et dès maintenant, je vous donne le programme de votre journée sur la TV1 Gaming Live. Midi 14h, moi-même Alex Click pour du Feed the Patrick 4 en compagnie des Trodus qu'ils arrivent d'ici quelques instants. Ils sont chauds, ils sont beaux, ils sont frais. Velge Télé, aujourd'hui, nous ferons des promotions, notamment sur les puputes. À 14h, vous retrouverez Xedeco et Clinstant Mobile. Il sera sur Heroes of the Storm à 16h. Fun Day Wednesday avec Tech. Je ne sais pas sur quoi sera Tech. Probablement du Smite. Que dis-je? Oui, j'ai un stylo, je fais ce que je veux. Et à 20h, meurs passant ton pif. Je vais y arriver. Bye Ken Bogard, c'est le programme de votre journée. Et à tout moment, vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous sur le crado chat. Il s'appelle Kiwi. Il est juste à droite. Vous mettez un pseudo, vous rejoignez les 257 personnes actuellement connectées. On dit bonjour notamment à Memerix, Dark Freestyle, Yannis, Tam, moi, Zedan, Miss Pandaria, Golis. Oh, très joli pseudo Golis, tiens. Spider, etc. etc. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live spécial. Je le dis dès maintenant, ceux qui veulent voir le tuto maquillage que j'ai fait hier, ce magnifique tuto maquillage, il sera diffusé à 17h sur ma chaîne YouTube. C'est cadeau, il y a un moment donné, il faut avoir pas honte de ce qu'on fait, bien au contraire, il faut être tout à fait en phase avec nos conneries. Et justement, parlant de conneries, bonjour Fox. Salut. L'introduction toute pétée. En parlant de conneries, bonjour Fox. Vous n'avez pas mieux, je sais pas. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, impeccable. Bonjour Oro. Salut, salut. Pardon, bonjour Madame Tête de Cul. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va. Magnifique. Ça bonjour mon cher ami Tado. Bonjour. Oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Rien, j'ai écouté un autre live, alors si tu pourrais juste fermer ta gueule. J'ai le live aussi de lancer à côté. Hein. Comment tu vas bien? Oui, bah ça va super bien. On va continuer FTP. Alors avec, pour ma part, en deux phases, midi 14h ici même, en live qui sera rediffusé sur la chaîne YouTube le lendemain. Et un live un peu spécial, la suite What the Fuck Party, 15h-17h pendant ses vacances, sur ma TV perso. Pour alors, tout savoir. Une question que se posent beaucoup de tes viewers, c'est est-ce que tu feras vraiment du FTP? Oui, bah oui, aujourd'hui, oui. Parce que je pense qu'à un moment, il faut poser quand même les bonnes questions. Mais attendez, dites donc. Parce que hier, oui. Sincèrement, ce fut une arnaque totale, ton truc. À quelle heure? De 15 à 17? Alors, de 15 à 17, c'est What the Fuck Party, je fais ce que je veux, vous voyez. C'est un live totalement déconcentré, décontracté, que dis-je. Tu vois, décontenté du machin. Ouais, ça, c'est une arnaque totale, c'est un peu comme Kiwi quoi. Tu dis que tu fais du FTP, elle dit qu'elle va montrer ses boobs et puis elle les montre jamais. Oui, mais ouais, je suis spécialiste de l'arnaque, vous voyez, sur mon bulletin de paye, il y a écrit arnaqueur en chef. Donc, faut jamais dire jamais. Direction le sous-sol. Derrière, Kiwi, direction le sous-sol. Vous voyez, l'ascenseur fonctionne. Tado m'a fait un cadeau d'ailleurs sur FTP. Il m'a offert. Oh, j'ai un autre cadeau pour toi. Attends. Oui, un speed upgrade. Donc on descend, je vais vous montrer le système pour l'instant que j'ai mis en place. Il changera sûrement. Mais j'avais la flemme de me faire toutes les machines de... Oui, il m'a offert ceci, le speed upgrade. Donc j'avais la flemme de me faire les tuyaux en vin. Donc vous voyez, je vous explique, deux chambres de pression. L'une pour celui-là, pour cet élévator-là, elle est là. L'une pour l'autre élévator de l'autre côté, vous voyez. Donc j'ai fait les branchements par-dessous. J'ai gardé votre idée d'avoir ma valve en dessous. Donc jusque-là, tout va bien. Et n'espérons que ça pète pas, ça a pas pété encore, dites donc. Il y en a qu'on a pas dû tuer assez hier, je pense, parce qu'ils nous redemandent de chanter. Pourquoi j'ai plus de pression dans le merdier? T'as tout cassé. Et par contre, l'élévator, il a 5 barres, mon pote. Hein. Ça va pas du tout. C'est rien, ça. Oh, portable téléporteur, qu'est-ce que c'est-il que ça? Bon, ça monte pas, ton truc. C'est, bah, ça monte, alors. Mais... Oui, comment fonctionne votre portable téléporteur? Il y a des codes Oula. C'est super pratique, c'est donc de mécanisme. Oui. Non. Il a cliqué partout. Ah bah j'ai fait téléporte. Et t'es arrivé. Tu vois, voilà un portail de mécanisme. Tu peux soit lier les portails entre eux, soit placer les portails. Ok. Et utiliser ton portable téléporteur pour mettre, par exemple, si tu mets le 9999. Ouais. Vas-y. Alors, pour changer, c'est clic droit et clic gauche. Ok, clic.
Attends, faut tout ce que je les passe à 9. Ouais. Ok. Alors, par exemple, Ouais. clic droit pour avancer et Oui. clic gauche pour reculer, hein, bien sûr, Ok. hein, ou Mais l'inverse. téléporte. Téléporte et tu arrives dans mon sous-sol. Oh! C'est nice ça! Tu peux rentrer à la maison en 2 secondes et donc le portail le plus proche de la maison c'est juste le 9. C'est le 9 9000. Alors par exemple, si tu prends ce portail-là, t'arrives chez EP, mais je suis pas sûr qu'on peut montrer chez EP. Bon, d'accord. Mon Dieu! Faut pas me montrer, je ne regarde plus. Aléatoire. Ah, on va chez BX. Attends, il y a des portails, je les utilise. Bonjour, bienvenue chez BX. Ah, BX, regardez, il y a des croix jaunes. Il a un problème de luminosité chez lui. Regardez. Problème de lumière. Là, on est chez BX. Voyez. Et Garnick pour info. C'est Aussi. joli chez lui. C'est très joli. Ouais, on peut voyager de chez. Ah, c'est pas mal ça. C'est vachement bien ce portail. Je ne connaissais pas. C'est mieux Ce qui est qu'un bien, c'est qu'après ascenseur. ça, IPR ne sert plus à rien, donc Ok. Moi, je suis revenu au 999, mais il me ramène dans un sous-sol. Au 9000. L'adresse postale. non, Pourquoi je suis à côté par de où? Shorty? Ah merde! GG, GG. On est chez Vous êtes qui? bloqué chez. Qu'est-ce que. Shorty, et donc reprends le portail 9000. Oui. Ah non, reprends pas le portail 9000. Non, non, t'as Pourquoi j'ai bloqué plus de en. Ah, Minecraft? GG, Ça il m'a a tué le planté. fond vert, ça m'a tout tué. GG, Apparemment, ça fait GG, monsieur planter le Tado. machin. GG, vous avez planté tout le jeu. Il marche GG. vachement bien votre Le portail. serveur ou juste le jeu? Non, Le juste le jeu, jeu. le jeu, le jeu, le jeu. Le Le serveur serveur est aussi? encore là. Non, non, le Ah, serveur est ok. Bon, bah, je inutile. relance Minecraft. Ne vous inquiétez pas, je relance FTP, chers Donc amis apparemment, viewers. quand tu prends trop de portails à la suite, Tout va bien. Ceci est ça réalisé portaille par mal. des professionnels. Ouais, Ne ne faites faites pas ça pas ça chez chez vous. vous. C'est important de le dire. Ne jouez pas avec les portails comme ça. Vous pourriez vous coincer les doigts, voyez. Donc, ceci est fait par des professionnels. Je regarde le chat qui dit GG. Voilà. Tiens, les téléporteurs de Shorty. Oui, Alex, tu as vu Apierre avec du vernis. Oui, il me pompe. Il Oui, décide de faire tout il comme prend moi. tes Hier, tutos j'ai fait un tuto maquillage. maquillage que je vais vous rediffuser avec ce superbe fond vert qui aujourd'hui a encore décidé de. Mais pourquoi tu marches pas? Il y a des lumières, voyez? Il me faudrait quelqu'un à la régie lumière. Il me faudrait. Ou alors un cerveau. Attendez, je fais l'avion. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Voilà. Bon, en plus, je pixelise. Voilà, tout va bien. Je relance Minecraft. Il me faut 25 minutes. Tout va bien. Si je fais ça. Si j'éteins les lumières, voyons. Voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, petit tuto. Éclairer son Lumière. fond vert. Ah, voilà, c'est nettement mieux. C'est encore plus dégueulasse. Voyez? Pour Là, c'est info, quand pas. tu fais l'avion, on voit que le bout de tes bras. Hein, donc, Mais je sais déjà là, à mon avis, il y a un problème de cadrage parce que si on voit bien, il y a un bout de ton bras qui est décalé. Oui, mais c'est parce que je ne sais pas me placer. Voyez, Est-ce que tu pourrais t'asseoir au milieu de ta chaise, quoi, en je vis gros? dans la pauvreté la plus sommaire et je n'avais pas d'argent pour un fond vert plus grand. Voyez. Donc. Ouais, mais c'est dégueulasse aussi comme ça, c'est pire. Attendez, remettons la lumière. Ou on s'en fout. On s'en Dans fout. l'idée de c'est quoi, on s'en fout. Voilà, le fond Oui. vert est un fond vert aujourd'hui d'une chaîne de télévision que je ne citerai pas, qui commence par Canal et qui finit par Plus. Donc on va faire ça comme ça. Pendant ce temps, je regarde s'il y a des questions. On te demande si tu veux faire un tuto épilation. Non, 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 non. Je suis, ça peut être sympa ça. Oui, bah oui, Oro, À vous la êtes toujours cire et tout. partant pour tout, vous. Vous m'étonnez. Toujours partant, le gars. Ouais, allez-y, tant que c'est pas moi qui le fais. On te conseille de faire un petit maquillage vu que tu pixelises. Non, mais ça va, tout va bien. Ouais, t'as Arrêtez. pas mis ton fond de teint, c'est peut-être pour ça en fait Oui, que ça pixelise un peu. vous allez voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, cette vidéo, 17h sur la chaîne YouTube. Dans quoi je m'étais encore embarqué hier? Je pense qu'à un moment donné, il Donc faut on confirme que oui, arrêter. tu live à 15 h. Oui. Sur ma chaîne perso, ce n'est pas rediffusé. Live de l'après-midi, à un moment donné, Non, je y a peux trop de pas. conneries dedans. Oui, non, attendez. Alors là, comment je fais? Je vais où? Il paraît qu'en fait ils ont changé Ah, la salut fréquence. Shorty! Je crois qu'ils Coucou! ont changé la Ah! fréquence en fait, ils ont fait exprès, hein. Visiblement, ça a été fait exprès qu'ils ont Comment je pris rentre notre chez fréquence. moi? 9000. Ah merde! Je réarrive là. Bonjour Shorty! Et logiquement, si on reprend le portail, ça devrait le faire. Mais si tu me laisses 2 secondes pour le Oui, tester. oui. Oui, vas-y, teste. Salaud! Donc. Il a changé la fréquence. Voilà, là ça marche. Ah, cool, j'y vais. Ah, on est de retour chez les Trouducs, dites donc. Alors, je garde votre cadeau précieusement, mais je vais attendre d'être sûr qu'on ait des fréquences de la police sécurisées, voyez. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que le portable téléporteur bug pas, mais que de temps en temps, les frames du machin nous font planter. C'est possible. On va commencer, il est pas là. Ok, on commence la journée, je change les plans de carrière.
Max de bonnes mille et de d'arbres. On va replanter une forêt chez Pierre tout de suite. On en profite qu'il soit occupé sur un live où il essaye de me copier. Nous allons changer la donne. Donc, hop. Non, je veux pas celui-là. Est-ce qu'on a du sapin? Ah oui, on a du sapin. Allez, hop. Tac. On a beaucoup de bonnes mille de mémoire aussi. On va faire ça. Je vais prendre des seaux d'eau aussi. Je vais prendre. Ah oui, de la bonne mille, on en a. Oh, ça c'est bien ça. On va aller directement dire bonjour à mon lapin. Est-ce que vous avez des seaux, messieurs, ou pas du tout? Ouais, j'ai des sauts chez moi, s'il faut, je peux aller en Ok, est-ce chercher qu'on a 2-3. des arbres géants? On a des J'en ai un. Ruber, ouais. Il y en Ok. a 9 Ruber dans le sac, je crois. Dans le C'est sac, lesquels? dans Le le coffre. Ruber. Ouais, j'ai le Ruber Moi, classique. j'ai des pousses de séquoia et de Méga bonobo. Ruber, va voir dans le Cool. coffre à la ferme à bois. Méga. Ah oui, dans la ferme à bois. Méga, ouais, non, je ne l'ai pas dans le machin. Prenez aussi Non, des seaux d'eau, on va lui faire des cascades. non. Ouais, je prends des seaux d'eau. Je confirme, j'ai 9 méga Ruber sur moi. Ok, bah c'est 14 très seaux d'eau, bien. ça ira On ou... y va. Go. Il faut Bon, que j'en ai j'aille voir pris ta 14 7 seaux, j'ai sapling. pas pris 14 seaux d'eau parce que... Moi, j'ai deux stacks de sapling. Est-ce que on signe notre œuvre? Oui, je crois que t'as donné que de Oui, la laine pour j'ai signer. pris de la laine. Je vais Alors, prendre, attends, je vais prendre des saplings et de la bonne mille direct également. chez Pierrot. Ouais, c'est vers où t'allais. T'es où, Et Alex? je suis juste au-dessus de la ferme à bois, en fait. Allez, 4 stacks de saplings, Et est-ce on que t'es change le assez haut? programme, on Monte pas assez haut, continuera monte plus les haut. élévateurs après. Hein? Monte plus haut. Allez, plus haut. C'est con qu'il n'y ait pas un téléporteur pour aller chez Pierre. Attends, si on va chez BX. Ah, t'as vu? Pas con le mec. Donc faut passer par ton sous-sol pour aller Non, chez Épée. à mon avis, ça Demi. va plus vite en volant. Ah oui? Bon Demi... bah. Non, demi... non, on passe par mon sous-sol pour aller chez EP et puis c'est bon. 999. Donc 9, Et on va 9, 9. Chez BX. Ok. Mais BX En habite, espérant que ça plante pas. habite pas à D'ici, côté. comment je. De chez toi, je suis chez toi, je fais quoi? Attends, 8500. 8500. Ah merde. Ok, je suis chez BX. Magnifique. Ok, et alors de chez BX, on est juste à côté de chez Pierre presque. En Ok. dessous. Ouais, c'est quasiment aussi loin que chez nous. Je te suis. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur plan, mais c'est pas Oui, grave. mais ça nous faisait réutiliser les téléporteurs. Je vois C'est que tu qu'à montes, construire hein. un Je truc monte. ici. Je prends de l'altitude. VLC, à un Monte, moment, elle monte, t'ouvre monte. grand porte. Bienvenue sur Airclick. T'es prêt? C'est qui a C'est construit ça parti. là? Il y a des trucs chelous ici. On a trill. Je sais pas, mais on y va. Regarde, il y a un truc de pétrole qui a pris feu. Je vois plus rien, moi. Bon, je Je rappelle vais tout tout pire. droit, hein. Je crois que je t'ai dépassé. C'est par où l'Amérique? On va pas pranker épée, il fait partie de l'équipe. Attends, je t'ai perdu, faudrait que je te retrouve avant en fait. Continue tout droit. Ah, d'accord. Ça y est, je suis arrivé. On va. Alors, l'idée, c'est de mettre en avant la forêt Minecraftienne, vous voyez, pour la défense. C'est chez Pierre ça? D'accord, bienvenue. Si vous ne connaissez pas chez Pierre, voici chez lui. Alors, messieurs, vous faites plaisir, vous plantez. Hein. Vous plantez, vous plantez, vous plantez. Alors, vous sachez qu'on va avoir forcément des représailles, hein, mais. Bien évidemment. Voilà, donc on va planter, on va planter On plante tout autour de chez lui, la forêt, partout. oh oui, s'il a laissé allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez. Imaginez-vous bien que de toute façon on aura le retour du caleçon, donc à un moment donné, Autant bien faire les choses. oui. Voilà, Est-ce qu'on bon. lui met un petit FTT sur son bâtiment? Bah oui, mais oui, mais oui. En rose. En rose, bien entendu, le rose est Bah ma oui, il se couleur. fait les ongles Félix. maintenant, donc... Et vous signez pupute, hein, important. En fait, j'ai beaucoup trop de pousses, j'ai pas pris assez de bonnes mille. Je suis abruti. J'ai 8 stacks de bonnes mille. Ok, je t'en piquerai un peu. Un stack ou deux. Voilà. Mais alors attendez, je plante trop là. Il faut que je plante plus bas aussi. Il faudrait que je plante là. FTT, ouais, il est bien le FTT là. Je le vois pas. Tu l'as mis sur le côté? Sur son bâtiment. Ah oui, non, c'est très Sur bien là. son grand bâtiment. Ah oui, j'ai un cadeau pour toi, Alex, bien sûr. Encore? Mais tu as plein de cadeaux aujourd'hui, dis donc. Non. Oui, tiens, ça va gicler. Oh! Poussez-vous. Donc je les mets en 9, hein, c'est ça? Je mets les 9 d'un coup.
Non, non, t'en mets un. Non, t'en mets qu'un celui-là. Ah, j'en mets qu'un celui-là. Oui, non, non, on n'a pas mis le big, big, big. Oh putain, non, non! Ouais, par contre, reste pas coincé dedans. Oh la. Et coucou les trois balles qu'il faut prévenir à Pierre. Oui, forcément. Forcément. Alors, on le sait hein, qu'il va être prévenu. Hein. Si vous pouviez nous laisser finir avant. Ça serait Attends, bien. De toute façon, il aura du vernis sur les ongles, il pourra pas toucher à son clavier. Il pourra pas toucher à son clavier tout de suite, il est bloqué. Il est bloqué. Le temps qu'il lance, on aura fini notre œuvre. Ça se trouve qu'il a un live à côté, donc. Oui, tout va bien. Bougez il est pas. occupé. On je lui va mets un peu finir. des fleurs au Je sol, trouve de que l'herbe, c'est je sais qu'il a bien important. l'herbe. Sa tour est beaucoup trop haute. J'aimerais qu'elle rivalise. Voilà, avec cet arbre-là, Peut-être de notamment. l'herbe au sol, il Un a arbre bien sur un l'herbe. arbre! Un arbre sur un arbre, c'est pas con. Un arbre géant sur un arbre géant? Ou alors Ou un arbre juste un bloc de géant terre? tout en haut. Amène-moi un bloc de terre tout en haut de sa Tout en haut de sa tour. tour. Tout en haut de sa tour. On n'a pas le droit de détruire. On a pas On n'a dit que qu'on le n'avait droit pas de le droit de construire. construire. Donc. Apporte ça. Donc, Ah, ils on sont va en le train mettre de. me PV sur l'IRC. Attends, par contre, je Ah, sais pas si d'accord. ça descend ou. Ça descend Ah. en dessous ou pas? Oui, il y a un élévator. Sous l'arbre géant? Attends, je vais te dire si ça descend ou pas. Logiquement, non. Non, 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 ça descend pas celui-là. Alors, et Pierre, de votre prank, ont leur message supprimé sur son chat. Ah, j'ai vu une dizaine essayer de le prévenir. Magnifique. Les Ça s'est tout modos supprimé, d'accord. Aidez-nous. du live transversal sont sympas. Non, au milieu, faut pas qu'il passe l'élévator, dites donc. Ce qu'on Ouais, mais fait. le problème c'est que j'ai peur Chips. que ça tasse le. Non, ça va pas attaquer le bas. Non, 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 ça attaque pas. Allez, pousse! Allez! Ah, il veut pas pousser ce con. Je crois qu'il a pas assez de Peut-être terre. trop. Ouais, il faut plus de terre. Non, non, il faut plus de terre sur les côtés en fait. Je pense, hein. Pense au jeu. Après ça, s'il respecte pas les arbres, c'est qu'il y a un souci. On va. Apparemment, les arbres géants font quand même des racines, nous disent certains Non, 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 joueurs. non, non, pas cela, Pas pas le celui-là. ruban, Pas pas le le méga ruban. ruban. Ne Donc, vous inquiétez pas, nous contrôlons la nous situation. sommes des Des professionnels. Encore une professionnels. fois, ne faites pas ça chez vous. À trop, on nous dit, peut-être. Ouais, peut-être qu'il a pas la place de pousser au-dessus, du coup, bah, il veut pas. Alors, je regarde ça. Ok. Donc, on va voir si en rajoutant de la terre, mais je me demande si c'est parce qu'il veut pas pousser avec une base de terre. Et de ce fait-là, il n'a pas la base suffisante. Tous les modos sont réellement en train de supprimer tous les messages possibles, Oui. imaginables. Donc je fais quoi? J'en mets un normal au bout, là-haut. Ouais. On va voir si un normal Un pousse. tuto. Ah, attends, je suis bloqué dans un arbre. Je sais pas ce qui se Alors, passe. normal non plus, je pense qu'on est trop T'es à quelle couche? 250. Ah bah oui. Ah ouais. Ah oui, ça peut pas pousser, forcément. Ok, tant pis. Tant pis. Alors est-ce que Peut le je le mettre sur mets. un côté de la tour. Oui, je le mets sur un côté de la tour, ne t'inquiète pas. J'ai de la dirt, je maîtrise la De toute façon, les situation. blocs de feuilles ne... Ah, j'ai plus de Un bonne tado mille, si stylé. tu as de la bonne mille. Quoi? Je mets des pousses d'arbres différentes. Moi, je mets des pousses d'arbres partout, ça finira de pousser Regarde au sa tour comme pire elle est 100 000 jolie. mille. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, rien. Tu plantes des arbres dessus. Officiellement, j'ai rien fait moi. Non, Officieusement, non, ce que tu non. veux, mais officiellement, c'est pas moi. Nous y sommes Officiellement. pour rien. Ah bah regarde, elle est belle cette tour. Pour ceux à qui reste un peu de bonne mille, n'hésitez pas à en mettre un peu au sol histoire de faire un peu de. Ouais, moi c'est ce que je fais, j'en ai fait partout, des fleurs, Moi il des m'en trucs reste, et mais si vous en tout. avez en rap, je Juste vais en peut-être tout en avoir besoin. Hein. Deux arbres, Moi j'en ai plus, pas ouais, de il me reste pousse. 20. Mais t'es où, Fox? Il en a peut-être chez lui, des os. T'es où? Ah, Je moi j'ai suis là où piqué tu sa as planté bonne un mille. rubber. Il a Tiens, là en peut-être dessous, des os. le stack de bonne mille. Est-ce qu'il a des os chez lui? Ah, mais il a plus ses coffres. Ah, mais il a une banque, Moi attendez. j'embellis sa tour. Vous voyez, je lui fais vraiment une valeur ajoutée à cette tour. Mais dis donc, il y a plein d'étages. Mais il y a vraiment beaucoup d'étages. Moi, ça m'intéresse. Donc. Ah, tu mets des arbres à l'intérieur de la tour. Non, non, je suis pas à l'intérieur là. Ah, j'avais cru. Regardez, venez voir cette tour. Montez. J'arrive. Je vais planter quelques arbres autour de chez lui. Autour de la tour, Joli. justement. Je vous l'avais promis, celle-là. Ça fait longtemps que vous la vouliez. J'étais pas là quand. Les gars ont fait ça à Pierre la première fois et qu'il a répondu. Donc, il reste encore. Oh, bah, il y a encore des étages en dessous, mais c'est magnifique. Ça manquait de verdure, sa tour.
Ah, des lianes sur la tour. Des lianes, des sur, lianes la tour. Sur la tour. Ah, c'est pas cool. Ouais, les lianes, elles vont pas grandir si elles sont pas collées à un bloc. Les arbres au milieu. Bah, attendez, c'est important. La oui. verdure. Comment faire le... Comment évacuer tout le CO2 émis par produit par l'industrie et pierre s'il n'y a pas de respect de l'environnement à ce titre. Par contre, il faut que tu mettes des petits panneaux. Hein. Pour dire que c'est nous. Mais justifier notre cause, tout ça. J'ai pas de panneau. Bah, t'en fais, tu prends du bois, t'as une plante des arbres partout. On a planté des arbres partout. J'ai plus de bonne mille, je suis dans la merde. Est-ce que quelqu'un il reste du bonne mille? Non. Elle est où l'entrée oui. de chez lui? Attends, on va le recadrer sur l'entrée de chez lui, les deux derniers. Ah, moi j'ai encore quelques stacks de bonne mille, hein, les mecs. Ah oui, bah alors viens. Viens au-dessus, là, je plante des trucs à mon niveau, là, fais le tour et... Ah, je vais te passer de la bonne mille. Tiens, moi ici. Je plante des arbres comme ça, ils auront bien le temps de pousser avant qu'ils se connectent. Hein. Ah, merci. C'est bon, ça devrait aller. Je vous remercie. Ah, ça a été fait là. Donc, ah, c'est important ici. C'est ça, il va là râler. Où je suis, là où je suis, c'est l'entrée de chez Pierre. Hein. Non. De ce côté-là, l'entrée. Oh, la vache, mais comment on est en train de lui pourrir chez lui. Oh. Il est tellement d'arbres. Bon, pour les petits arbres, en fait, il peut les couper rapidement. Hein. Il peut les couper direct avec sa hache. Je m'en fous, je signe avec sa hache Aznet, hein. Coucou, bisous Aznet, quoi. Je sais pas. Avec le FTT au-dessus. C'est con qu'on n'ait pas morph. Il y aurait eu morph sur cette saison, comme la saison dernière. Ah, je me déguisais en as de pique ou un truc comme ça avec un screen, tu sais. La prochaine fois, tu m'écouteras. Signé as 2, tu sais. Voilà, c'est pas mal. Il me reste, je crois, des méga arbres. Ah, les méga arbres, c'est salaud. C'est encore plus salaud, les méga arbres. Eh ben, les méga arbres, il fallait couper à la main. Et surtout qu'on lui a pourri notre premier méga arbre qu'il voulait laisser. On l'a planté trop près, l'autre. Il mettra un mac entre les deux. Ouais, le premier, il voulait le laisser, sauf qu'on a planté le deuxième. Plein de pousses aussi, sans bonne mille. Oh, mais oui, il faut que ça pousse. Vu. Laissez-moi le temps. J'ai plus de bonne mille, du coup, je mets que des pousses. Je vais m'arrêter au niveau des méga arbres là. Mais par ouais. contre, je vais continuer de planter. Sauvegardons la planète. Sauvegardons cette planète. Regardez chez Pierre, c'est beaucoup plus joli. Sur le panneau du tweet, un méga arbre. On va pas mettre sur le panneau de tweet un méga arbre. Sauvegardons la planète. Oh putain, Pierre, quand il va se je l'imagine juste, tu sais, je sais pas où il est resté, mais il doit être quelque part par là. Ouais, il va se connecter là. J'espère qu'il est pas dans un arbre. Non. Il va se connecter là, il va faire. Hein? Non. Mais non. Mais non. Non, il va prendre son téléphone, ça va sonner chez moi, je vais faire « Allô ?»« Mais non, mais oui !» Et je vais lui dire « Quoi, mais non ?»« Mais non, c'est pas vous !» Ah bah non, nous de quoi ? Attendez. De quoi ? On est au courant de rien. Ça manque de verdure ici aussi. Où ça ? Voilà, ici, il a regardé. Il manque un peu de verdure. Ah, devant chez lui, je trouve ça beaucoup trop propre. Voilà. Ah, là, ça commence à être un peu mieux. Voilà, vous voyez ? Donc, on va faire des pancartes. Maintenant, il faut qu'on laisse un message pour expliquer notre geste. Et alors là, j'ai une info toute trouvée. Est-ce que j'ai du bois ? Non. Alors, il faut que j'aille plus loin, parce que je ne veux pas casser un seul arbre qu'on vient de lui planter. Le mec est un peu con. Alex, oui. J'ai mon inventaire qui est plein à craquer. Donc, il faut absolument que je plante encore plus d'arbres. Oh, j'avais pas vu tout ce que t'as mis ! Mais c'est indécent ! En haut, t'es indécent. Surtout, j'ai mis plein d'herbes. Et l'herbe, apparemment, il voulait du bois. Il voulait du bois, bah tant mieux pour lui. Bah, allez, là. T'es indécent comme mec, l'autre il est en train d'avancer, il a replanté de son. Ah, moi, vous voyez pas ce que je fais. Il y a aucune preuve vidéo, il y a rien, tu vois. Il y a pas tout, va bien. Il y aura juste le real live. Tu mets pas le replay du coup de celui-là. Mais si. Je ferai une ellipse. Étrangement, dans la vidéo, il y a une ellipse de. De demi-heure. 45 minutes. Et puis, c'est venu en 2017. Non, mettre un méga arbre à l'intérieur, ça c'est pas possible. On touche pas au truc qu'il a déjà. On doit ne pas toucher. On n'a pas le droit de casser. Ce qui est normal, sinon ce serait la merde. Oh là là, le nombre d'arbres. Attention, il aurait pas poussé à l'intérieur.
Non, il faut une trop grande place pour un méga arbre à l'intérieur. Je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire sur cette île, mais pour l'instant c'est un peu râpé. À la base, ils voulaient retirer toute la végétation. À la base, déjà, ils Ça allaient retirer toute la jungle qu'il y avait, aurait quoi. été classe en fait qu'on arrive à écrire avec des arbres Fit the True Duke, tu vois. Ah, Ah, il me reste qu'un seul méga arbre. Non, c'est quoi ça? Un Redwood Sapling. Non, c'est la Oublie. merde, ça, c'est Natura. Ouais, c'est le très gros Ah ouais, non, ça je le plante database. pas. Non, 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 ça je le plante pas. Non, non, Bah, non. il en Le faut Redwood, ouais. 49, mais pas. Oui, mais non, non, non. Par contre, ici, vous voyez, c'est un emplacement parfait pour un arbre gigantesque. Vous voyez, je suis sûr, dans le fond. Putain, l'ombre que ça fait. Qu'il Une aime les cascade, arbres. oui. Alors, une cascade. Avez-vous mon seau d'eau, s'il vous plaît? J'ai des seaux, oui. Ah, il avait tout Je vais. torché. Ah, c'est dommage. Non, tu mets J'ai en perdu direct un sur stack de l'océan, on sapling, va pas faire attendez. ça. Que c'est dommage. Non, non, mais venez, venez avec moi. Vous êtes où, mon cher Oro? Je suis à côté de chez lui, je vais récupérer de l'eau là. Ok, je suis. En fait, je suis à l'arbre le plus proche de vous. D'accord. Je crois. Je récupère de l'eau. Je suis en bas de l'arbre géant qui est pas loin de l'eau là. Je sais pas si c'est vous que j'ai vu passer, mon cher Oro. Oui. Côté de sa tour, c'est ça? Oui. Non, non, D'accord. le plus loin. Et Ah oui, je je vois. prends ton Je idée, vois, je vois. Tado. Je prends Elle est ton juste idée. dégueulasse, la cascade est partout droite. Si c'est un peu. Prends mon idée. Un méga arbre sur un méga arbre. Oh putain, méga arbre dans Oh ma la gueule là. vache. Voilà. Des cascades dans T'as de la l'arbre. Oh lumière la quand même? vache. Un méga arbre sur un méga arbre. Attends, on va dépasser sa tour. Je vais remettre un méga arbre. Pas sûr qu'il pousse par contre vu la hauteur. Voilà. Ça, c'est du méga arbre. Vous Qu'est-ce que voyez, t'as et la fait? Tu l'as planté cascade où? Oh partira là du méga arbre. De tout en haut, tu veux une Oui, cascade? mais il est méga petit quand même par rapport aux Ouais, deux autres. il y a un côté, il est tout bouffé. Ah non, c'est bon, C'est normal, les c'était mythes pas. l'ont eu. Et donc on C'était fait pas partir affiché. une cascade d'ici. Ah, y a 3 méga arbres! Oui, C'est parfait! j'ai planté des méga arbres sur des méga arbres. C'est une Y a 3 méga évolution. arbres l'un sur l'autre! Voilà, attendez, il faut que je vous donne quelque chose absolument au rond en échange. Voilà, je vous donne de la Oui. stone et vous donnez-moi ce seau d'eau. J'en ai plusieurs si vous voulez, hein. Oui, mais Je vous un, en donne on va en mettre. 3. Attendez, oui, alors attendez, il faut que je vous donne autre chose. Un Ah, ladder, donnez-moi autre chose. Mais je vous vous donne voyagez ça. avec Voilà, oui, je voyage léger. toute votre Donc, maison, quoi. première eau, la plus centrale, c'est celle-ci. Vous voyez, celle-ci va faire toute la différence. Oh putain, ça va créer tellement de sources en plus avec C'est une eau l'arbre. divine. Oh C'est là une eau là. divine, Ça va faire regardez. laguer, hein. Je Oh pense la que je vache. Oh, t'es prends crade. Oh, t'es crade. une semaine de ban de FTP. C'est fini pour moi. T'es tellement crade, ça va Cette couler partout chez prank. lui. Cette prank. Oh Oh, mais. la Oh, oh, vache. Oh, t'es tellement horrible. Ah, je m'en veux déjà. Oh, tu t'en veux déjà, mais j'imagine. Oh, c'est tellement horrible. Oh, mais Sachant c'est qu'avec horrible ce la que je hauteur viens. des méga arbres, en fait, ça crée masse. Ça crée pas de source, hein. Il y a juste à couper la source du haut. Oui, bah oui. Par contre, ça crée masse Mais courant, quoi. parce que je suis pas un salaud, j'en mets d'autres à d'autres endroits, vous voyez, pour troubler un petit peu les. Heureusement qu'on est en pente et que ça va pas aller Ouais, ça va pas directement aller chez chez lui. lui. C'est pour ça que je l'ai mis Peut-être là. pas. Mais n'empêche, c'est Ici, elle, joli. je vais la cacher Ça fait là, plutôt vous joli, ouais. voyez. Avec Je la vais la plume au cacher sommet. là. Tellement lagué. Et Non, c'est bon, donc, c'est fini. c'est un C'est mur bon. d'eau. On ne peut pas savoir là. C'est joli en plus, c'est C'est plutôt hyper joli, c'est tellement stylé. stylé. C'est Avec tellement les feuilles qui stylé. ressortent et tout. Sur le Mais deuxième, c'est ça fait hyper trop bien. stylé. Le Alors, je vous troisième, on avais le voit pas promis que trop, mais. quand moi je prank, c'est pas pour mettre deux pauvres blocs avec une pancarte. Ils sont Ouh, tous je morts, suis ça passé dit. par là. Non, si je prank, t'en as pour 2 heures. Ça dit sur le chat, ils sont tous morts. Oui, je pense que. Je pense que chez nous, on va retrouver des trucs de ouf. Hein. Je tiens à le dire que chez nous, je pense que dans qu'à moins de 48 heures, c'est Bagdad. Oh. Ah, mais on va tellement se faire Moi, je ruiner. pense que je vais déménager. Donc, Ouais, je tu vois, je rappelle là. vais défaire l'élévateur qui descend chez moi, je vais virer tout ce qui Je descend. rappelle, Pierre manquait de verdure chez lui. Il ne respecte Ouais. pas la nature. Nous, fermiers de la Mais ferme ça sa fait tellement gueule, stylé d'empêche les arbres. revendiquons sur Fit the Patrick le droit à la nature, le droit à la respecter et à travailler en bonne et due forme avec. Donc, à ce titre, nous avons décidé de remettre la nature, les droits de la nature chez Pierre. Donc, nous avons, il avait plus d'arbres, plus rien. Il ne replante pas, il ne pense à rien. Nous avons tout replanté. Des méga arbres, trois méga arbres les uns au-dessus des autres avec de l'eau parce que, voilà, c'est magnifique. Donc, voilà, la suite, vous le verrez chez Pierre quand il va se connecter. Je vais lui envoyer un petit message quand même. Je vais lui envoyer un petit message sur son Skype. Voilà. Je vais lui mettre
Coucou, virgule, la prochaine fois que tu te connectes à FTP, je t'invite très fortement à lancer un record avant de te co. Hashtag des bisous, signé les protecteurs Il est de en live la actuellement, oui, on le sait qu'il est en nature live. sur FTP. Voilà. Non mais au moins il aura mon message avant de se reco. Voilà, il aura mon message avant de se reco. Là, faut qu'on se casse maintenant. Maintenant on se Donc, barre, hein. Baron. 9000, je crois, non? Pas 9000. 9000 9000. quoi? Voilà. 9000. Moi je suis à la... Ah bah non, je suis gentil. Ah oui, et Bah après je fais voilà. ça. Ok. Ok, là, Nuke. Non, on n'a pas Ah le non, bah droit non. de nuke. Oh le Nuke dans la merdier. ferme ta gueule, on n'a pas le droit, nous. Non, non, il n'y a pas de... Non, non, Enfin, il n'y a ils ont pas pas le droit. Ils ont pas le droit de détruire, de hein. On se nuke, fera pas nuke, prank. etc. Non, 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 non. On peut créer un écosystème. On ne peut pas le... On n'a plus de jus. Pourquoi on n'a plus d'électricité? Comment ça, Oh on a non. plus de jus? Qui... Oh non. Qui est venu entre-temps? Qui s'est senti de la mission divine de nous couper le courant? Comment ça, on a plus de jus? T'es où? Ben, je suis à la maison. Qui on a du jus? Ah si, bon, ben, c'est moi qui ai juste con. Donc, hop, 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 hop. Ni vu ni La connu. grosse On a noté vengeance que vous chacun. allez prendre va être Ah énorme. bah Oui, oui, je on s'en pense doute. Ah que j'imagine bien qu'on va en prendre plein notre matricule, vous voyez. Moi, je vais virer tous les On est tellement téléporteurs, je vais souvent mettre. connectés en même temps, il a intérêt à faire ça très tôt le matin, je Et pense. qui c'est Non, qui parce qu'en construit fait, chez nous? on Là, est il y a des beaucoup plus plateformes et tout connectés ça. que lui, donc il y a Ah, un c'est moment nickel. donné, il pourra faire ce qu'il veut. Alors, Oui, par il va contre. faire OK, il va nous retirer la whitelist, juste le temps de Oui. faire sa pronk. Possible. Mais au pire des cas, il va faire quoi? Il peut pas brûler mon arbre. Il va faire quoi? Il va me mettre des fleurs? Il peut Ah, mettre moi, des des mobs. fleurs, je veux bien, si c'est des fleurs botanières, Ouais, tu je vois, prends. s'il va faire quoi? Je vois pas trop. Il n'a pas le droit de toucher aux machines existantes et il n'a pas le droit de casser. Ah, il n'a pas le droit de casser, il a le droit de rajouter des choses, nous mettre plein des blocs, nous pourrir. Bon, on verra. J'espère qu'on va pas avoir une espèce de champ de force qui nous interdira de rentrer dans notre base. Ça va Ah être non, chiant. ah, mais non, mais il donne pas des idées, tais-toi, Ah, c'est le pire truc qu'il peut faire. quoi? Le champ de force, et c'est Ils vont aller détruire. Shorty va lui faire. Shorty va faire, ah oui, je vais t'aider, Pierre. Shorty, je t'adore. Mais quand Pierre demande, Non! tu dis toujours oui. Non, dis non là, tu diras Dis non cette non, fois-là. tu dis non, on te paye plus cher. On te paye plus cher. Donc, On lui a fini un stack d'émeraude, enfin de blocs d'émeraude, donc. Ouais, on peut moi je négocier vais. avec lui. Oh, mais On est ça bug copains avec Shorty. tellement, ça bug tellement le truc là. Blum, 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 blum. Moi je suis Tout déjà arrivé à bug. la J'aurais maison. dû faire un élévator, hein, ça me prenait 10 minutes. Bon, je vous avais promis qu'on ferait du pneumatique craft, donc on l'a fait. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on continue. Il faut qu'on fasse 21 elevator bay 0. Donc, le truc, c'est qu'on va manquer de seed, donc il faut donc faire un champ acide de pneumatique craft. Voilà. Ça, je peux t'aider. Ah bah oui. Pourquoi En t'adores fait, on voir. plante. Non, non, mais en fait, j'ai un truc qui fait que les graines sautent. Parce que Il dans a l'idée, il des va me falloir multiplicateurs dans un de graines. premier temps beaucoup de stacks. Donc il me Mais il faut faut des qu'elle soit rain poussée pour qu'elle se plant dédouble, je seed. crois. Dans un premier temps, il me faut des rain plant seed. Dans un deuxième temps, il me faudra des slime et des flying. Pour l'instant, il me faut des rain plant seed en masse. Mais quand je dis en masse, c'est plusieurs stacks vraiment. Ça, et après de l'autre côté, il faut que je prépare des cannon barrels. Donc avec des safety. Oh là là, le merdier. Ok. Moi je vais préparer les safety, etc. Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper des plantes? Sinon je le fais, mais comme c'est pas très compliqué les plantes. Si, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Ça marche pas. Enfin, je suis pas sûr que ça marche avec Non, il un faut qu'elle soit harvester et un poussée. planteur. Hein. Et puis il faut qu'elle soit grande en fait pour que. Ben, je Alors suis même attends, je vérifie sûr que ça combien il marche m'en pas avec un faut. harvester et un planteur. Ok, ça en fait un. Ben, il Donc, il faudrait m'en tester. faut. Attendez, je regarde. Ça sera en fa 4. Donc 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Plus ça fait 20. Il m'en faudra donc 24. Donc ça me fait 6 fois ça. Donc il me faut 6 fois 5. Putain, le merdier. Donc 30. Il m'en faut 30 des pneumatic cylinder. Donc il me faut 30 cannon barrel. Donc 30 comme ça. Donc 30 comme ça. Voilà, ça commence bien. Allez, c'est parti. J'en ai 20. Voilà, ça fait 30. Donc ça c'est fait, j'en ai 30. Let it go, let it go, let it go. Donc ça Let it après, go, let il it faut que je go. fasse ça. Non, non, Ok, il me faut donc non, 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 30 ça doit leviers. s'entraîner. Donc,
Pas ça? Oui. Si. Donc, tac. Il me faut. Non, pourquoi je veux de la blaze rod? Non, non, je veux des sticks. Voilà. Oh, à chaque fois, je me trompe. Il m'en faut donc 60. Un stack, quoi. C'est quoi le mode pour les moissonneuses? Mais pourquoi il me fait ça? Ok, Steve Carte. d'accord. Steve Carte. 60. Je suis pas rendu. Je sais pas pourquoi il veut pas me prendre le shift click. Ou alors il me... Ah si, putain, j'en ai 64. Mais quel abruti. On aura du levier en Alex rare. pourrait automatiser le ramassage des plantes avec les fleurs. Ah, ça Sur m'intéresse. Twitter, ça dit adieu les trous du Par contre, c'est adieu les trous du pour cul. les replanter, je sais pas si tu peux les replanter avec un planteur. Ces graines-là. Ah. À Est-ce que tester, j'en hein, ai à bah, tester. j'en ai que 26. Faut que je Faut refasse tester, des faut câbles. faire un planteur, un harvester et voir ce que ça donne. Là, au rotado, vous avez vu? Pour aller chez Alex plus rapidement, rien. Juste dehors. Donc, Je suis dehors. Ah, j'ai tout ça, ça ok. fonctionne pas. Soit en Je fait les regarde là. crafts vont vite là aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. J'ai de plus de mana, c'est ça. Plus de Pas mana plus sur moi. qu'hier, mais donc 30 comme ça. Ah, je reviens. 60, on divise par 2, ça fait 30. Hop. Tac. Et j'ai donc 30 safety. Magnifique. On passe à l'étape d'après. L'étape d'après qui est Planteur de fonctionne pas, faire ça dit. 30 comme ça. Hop là. Allez, c'est parti, vas-y, fais-toi C'est quoi le mode plaisir. pour avoir Lex League qui fait de la merde? Ah, c'est un mode bien particulier, voyez. Il me faut de la compressée d'iron. Est-ce que t'as pas créé la truc pour changer le... Ah non, je vais le faire. Il va Ça falloir que je s'appelle voudrais l'essayer en mettant de la... pneumatique. Ouais, de l'iron dedans en fait. Pneumatic wrench. Attends, moi, je vais Il nous regarder faut en des même temps. plastiques de burst plant. La wrench, où est-elle? Petite wrench, ça c'est le nanomètre. Ouais. Donc, wrench. Il y a une fuite chez toi, non? Non, Mais par contre, pourquoi? la pneumatic wrench, J'entends j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit chargée. des fuites. Electrical wrench, pneumatic wrench, ok. De la craft? Non, non, je regardais comment elle se faisait. Donc il faut du plastique en burst plant. Ok, je sais pas si on a un levier et un air. Bah, je commence à t'aider en fait. Je fais le. Ah bah non, il nous faut. Bon bah alors je vais aller faire péter des trucs. Ouais, il nous faut le plastique. Fais le plastique, je vais regarder pour Et puis le surtout, pourquoi pneumatique. je regarde? C'est pas ça que je veux voir. Mais qu'est-ce que je fais moi? Je vais aller faire un truc. Je vais en prendre un. Non, j'en veux un, s'il te plaît. Voilà. Et Ah, de t'as pas mis l'iron. les barres d'iron. Si, on n'a plus d'iron. Ouais, c'est ça, donc D'accord. je vais l'en faire péter. D'accord. Je vais aller en faire péter, on en a 14K de l'iron, on devrait s'en sortir. J'ai encore de la TNT sur moi. Je vais aller en faire péter un petit peu, qu'on puisse faire cette wrench. Je te laisserai la faire de ce fait-là. Histoire qu'on voit si on peut quand même utiliser la chambre, quoi. T'as dit sur le chat qu'on n'écoute pas Fox quand il parle, qu'il dit des trucs mais qu'on s'en fout. Mais non, regarde, lève la tête. Lève la tête. Waouh! T'as fait un superbe pont. Qu'est-ce que t'as fait? Magnifique. Il a fait un pont. Un Ah! pont? Attends, Il a j'arrive. Ouais, il disparaît au bout d'un moment. Ouais, c'est le. C'est pour l'Atlas. Pourquoi tu fermais d'ailleurs quand je mettais l'iron, toi? Pour fermer, c'est tout. Ah oui. Pour pas que tu t'évades. Ah oui, c'est tout. Pourquoi elle Ouais. brûle? J'ai une couille. Je dois avoir un bug de quelque chose. Ah, c'est voir, oh, c'est rien. C'est Fais Tado que je vais me sauter. brûler avec son deltaplane. Mais pourquoi? Boum. Non, je te vois brûler, ça pétait. Ouais, c'est normal. C'est bon, j'ai tout. Donc, magnifique, j'ai dans la chambre à combustion. Donc, je te ramène ce qu'il faut pour que tu puisses faire la wrench et moi je vais continuer mes crafts. Et après, on s'attaquera au seed, qu'on voit un petit peu tout ça. Donc, j'ai pas suivi, excusez-moi, ce que je faisais moi, mais des crafts de Faut l'autre des côté. burn trucs. Pour les automatiser, c'est complexe, entre guillemets. Moi, je Visiblement, vois pas c'est de pas... ça moyen là marche comme pas ça avec tout le de suite. planteur, il paraît. Ah, C'est après, quoi il le mode faut. pour les planteurs et les moissonneuses? On va Alors, le les faire à la moissonneuses, main, c'est sinon. Steve Carte et les planteurs. Qu'est-ce que je cherche moi? Après, il reste la solution serveur de test et go chercher, mais. On peut aller voir aussi un serveur de test. Juste sachant que si tu vas en serveur de test, ça serait bien que tu ne montes pas l'écran les quelques minutes histoire de pas montrer Ouais, que où tu te tu. caches.
toi, tu partes à un endroit où on n'a pas encore été. Pourquoi il m'emmerde et qu'il met pas le compressed iron? On en a 400. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, Jean-Louis? Ah voilà, c'était quoi ce vieux bug tout pourrave là? À un moment donné. Voilà, donc j'ai mes 30 comme ça. Ouais, on va voir ça. Ok, donc ça j'ai ça. Maintenant il va me falloir du plastique. Du plastique rain plant seed. Ok. Et après, il me faut du rain plant seed et du burst. Donc c'est les deux qu'il faut qu'on travaille, rain et burst. Je sais pas qui a les... Moi je suis parti avec le burst. Je vais faire le plastique avec le burst. D'ailleurs, ça on s'en fout, je vais le mettre dans le machin. Le cannon barrel en avait un. Ah, j'ai du plastique et j'ai du flying. Il y a du slime, il y a du rain. Il y en a un peu de côté là, ici. Donc, attends, je range un peu parce que j'en ai partout. Le charcoal, ok. J'ai l'impression que ça fait pas de alors, pression, pour info, là. Alex, je sais qu'il peut la mettre dans la pressure chamber, mais il aime bien faire exploser. Ça fuit. Non, ça. Il faut qu'on fasse la range pour modifier le truc en fait. Et pour faire la range, pourquoi il nous fallait barres, du... Pourquoi il y a 0 barre en haut? Mais parce que c'est débranché, qui c'est qui a cassé les tuyaux? Ouais, c'est ce que je disais, j'entends depuis moi, j'ai touché à rien. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pété les tuyaux, il a flippé. Il y a quelqu'un qui a flippé. Non, ça a peut-être pété parce qu'il y a trop de pression. Ah, probable, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ce système anti-pétage de plomb. As-tu des tuyaux sur toi, mon cher Alex? Parce que sinon, je peux pas faire péter les graines. J'ai des tuyaux sur moi, je regardais juste. Tu peux le mettre dans l'autre? L'autre est pas alimenté. J'ai des tuyaux, j'ai toujours des tuyaux. Je suis un homme tuyau, vous voyez. Je peux utiliser en effet l'autre. Ouais. Donc, où êtes-vous? Ici? Bah, en bas, ouais. Non, mais pas grave, je vais utiliser l'autre, de toute façon, ça revient à même. Pourquoi tu veux utiliser l'autre? Bah, faire péter les seeds. Ah oui, mais il faut que tu lui mettes du charcoal. Oui, je lui ai pas mis de pression, je vais lui mettre. Oui. Et donc celui-là, il a une fuite, c'est ça? Ouais, il est pas branché en tuyau cassé. Il a pété. Ah, j'ai bien qu'il y a une fuite. Donc il faut qu'on trouve une valve. Il faut qu'on fasse une valve avec ce qu'il faut. Ça, c'est la merde. Si vous avez des idées, les viewers, on connaît. Enfin, Pneumatic Craft, on le découvre aussi. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Si vous avez une idée justement de comment ou quel item il faut adjoindre en fait pour mettre une sécurité qu'à 5 barres en fait il évacue plutôt que de péter, il évacue l'air en trop. Ça, je t'ai montré l'item, non? Je l'ai pas trouvé. Comment tu m'as dit que ça s'appelait? C'est le dernier tout en dessous de mémoire. Après, je sais pas trop bien comment régulateur ça marche. Régulateur tube module. Attends, Pneumatic Craft. Après, je suis pas dans Nail, mais je peux aller voir directement dans mode. Celui tout en dessous, c'est le régulateur tube module, lui. Ouais, c'est ça. This module will stop pressurized air from traveling through this tube. À mon avis, c'est ça. Hein. Ouais, ça a l'air dans l'explication. Et puis, c'est pas compliqué à craft, en fait. Bah, je vais en craft un, on va tester. Je sais pas où ça se met, par contre. Mais je vais le craft, vas-y. Ok. Donc, il me faut deux safety tubes. Bon, on va faire ça, je vais les tester. On va tester ça maintenant parce que c'est un problème qu'on va avoir. Vous voyez les machines, en fait on aurait pu faire des élévateurs, ça nous aurait pris 10 minutes. Mais clairement c'est vrai que c'est plus sympa. C'est moins marrant. Oui. Élévateur. Enfin donc, moi clairement chez moi je compte aussi à mettre un truc Pneumatic Craft un jour en live. On se fera ça tranquillos. Il a décidé de faire chier, pas toi hein, Easy, tu mets un tuyau d'évacuation avec de la redstone 0,5 bar par puissance de redstone. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais moi j'aurais voulu mettre plutôt que de la redstone quelque chose qui va avec le mod dans l'idée en fait. Oui, ça t'as pas le choix. Donc c'est un élément du mod et pour gérer la puissance d'extraction, la pression. En fait, ça sera à la main. Là, apparemment, on va voir peut-être qu'avec le régulateur module. Donc il me faut 4 ça en fait. Non, c'est ça, c'est le régulateur module. Tu lui mets un courant de redstone et en fonction de. Comment on dit en nouvelle redstone là, de la force de la redstone au moment où elle touche le régulateur module. Ouais. C'est un certain pourcentage qui est parti. Enfin voilà, t'as compris quoi. Oui. Si t'as pas compris RT. Je crois que j'en ai fait deux des valves. En même temps j'ai deux machines. Voilà, j'ai fait deux valves. C'est fait. Ce n'est plus à faire. J'ai mes fameuses valves. Ok, ça se place sur quoi? Oula. J'ai un gentil viewer, Alex. Oui. Que hier, durant mon live, on parlait de GTA V.
sais, on parlait des jeux que j'aimais bien, et je disais que j'attendais la sortie de GTA V, parce que quand même, la sortie de GTA V sur PC, ça peut être intéressant. Et des viewers m'ont remonté l'info comme quoi il y aurait soi-disant une bêta. Et j'ai un gentil viewer qui vient de Café des Recherches et qui vient de me signaler qu'en fait, pour info, cette bêta c'est du phishing tout simplement. Et qu'elle n'existe pas, donc faites attention pour ceux qui seraient intéressés. La bêta de, tu m'as dit, c'est une fausse bêta de GTA V, okay, qui est du phishing. Voilà, c'est une petite information, mais je pense que ça peut paraître intéressant de le dire quand même. Il doit être en bas. T'as fermé pour descendre, ok. Je cherche en fait comment on place les régulateurs tube module. Tu le places simplement sur un tuyau, tout simplement, à la place d'un tuyau. À la place d'un tuyau ou en plus? Tu le mets au bout, tu casses et tu mets ton truc, et puis tu pourras coller un. Mets-le au-dessus. Ouais, mais en fait, ce qui m'embête. Alors, j'ai la pneumatic wrench, le problème c'est que je sais pas comment ça fonctionne. Il faut la recharger en air. Comment qu'on la recharge en air? Quelle est au-dessus, hein? Ok, d'accord, comme ça. Y'a pas une chargeur station ou un truc comme ça? Il pleut dans ton arme. Ok, mais ce qui m'embête. Ok, mais est-ce que dans mon circuit, ma question est, de pauvre et les guillemets, sachant que lui va continuer de produire tant que tu lui donnes. En fait, ce qui pose problème, c'est que lui, tant que vous lui donnez à bouffer, quoi, à cramer, il va continuer de pressuriser, d'accord? La chambre, elle reçoit, elle est contente. Tu l'as mis dedans. C'est moi qui ai mis le truc dedans, mais je vais le recharger, mais je sais pas comment on fait. Du coup, électriquement, je teste. Peut-être, Jean-Louis, avec non, de l'électricité. Non, il y a marqué en barre. Non, il y a marqué d'accord. En pression. Et donc, en fait, si je mets ma jauge en dessous, est-ce il y a des viewers qui vont me dire si, ça se recharge si je mets pas ma jauge comme ça, en dessous, hein. Si je mets ma jauge en dessous, ça va libérer de la pression pour là-haut aussi. En gros, pour ta bécane, t'as la charging station de Pneumatic Craft qui doit être spécialement faite pour charger. Ah oui, parce que là ça va pas marcher. Hein. Charging station. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces bugs? Je sais pas trop comment. Je regarde le chat. Tu la places entre la chambre et le compresseur. Ah, faut la placer là-haut. Ah, il me faut dit. Du fire. On me dit qu'il vaut mieux la placer entre la chambre et le compresseur. Oui, mais et quelle est la sécurité pour l'ascenseur? Vous voyez? Mais il n'y a pas de sécurité pour l'ascenseur. Donc faut juste qu'elle produise pas trop. Donc entre la chambre et le compresseur. Test numéro 28, c'est parti. Mais là, c'est normal. Bien sûr, il n'y a pas de fire truc bordel. Quoi qu'il me faut comme site là. Ah bah oui, ce que j'aime bien, c'est que tu fais tes tests sans être en créa, hein. Pas de soucis. Non, si ça explose, ne vous inquiétez pas, nous avons la situation en main. En main. Enfin, avec le pied. Des fire bordel plantes et j'en ai pas. Ok. Je teste. Oh oui, pourquoi tu veux que je teste en créa? Tu veux qu'on aille tester en créa? C'est vrai que c'est pas con de tester en créa. Après, c'est toi qui vois, hein, si tu préfères tester en... Tester comme ça, moi je m'en fous. J'aime bien risquer de tout faire péter. J'ai entendu un boom, non? Pour une charging, ouais, pour la pneumatic wrench, ouais, il me faut des trucs. J'en sais rien. Il me faut des gunfire. Normalement, la pression est équilibrée sur toute la ligne. Ah oui, donc je peux les mettre bah en oui. bas. Donc si tu les mets tout en haut, la pression va se stabiliser, voilà, ça va libérer la pression. Oui, mais si je le mets en bas, tu vois, en milieu de ligne... Ça va bah, chercher ça va... la pression oui. en trop aussi au-dessus. Bah, bien évidemment. Voilà, donc je suis pas obligé de le laisser là-haut. Il n'y a pas un bout de tuyau qui va être là-haut. À 20 bars et là à côté il va voilà, être à donc 18 bars, je là. Peux laisser mon arrivée ici, Jean-Louis. Pourquoi les items veulent pas revenir? Je laisse mon entrée ici et je mets mes tuyaux en dessous. Puisque si c'est automatisé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Je ne suis pas à côté, je cherche des fire seed. Par contre, je sais pas comment. Et je ne sais pas quelle couleur c'est. Je sais pas comment après on les active ces trucs-là. Avec de la redstone, j'imagine. Je crois. J'imagine. Je pense que ouais, suivant le signal de redstone que tu lui envoies, plus il est fort, plus ça règle. Ouais, ouais, en fait, sur 5, appli de redstone 0. Ok, on va faire des tests. Et apparemment, on me dit que pour sécuriser l'ascenseur, il faut un upgrade spécifique. Putain, je t'avoue, on aurait mis 10 minutes, on aurait juste fait des téléporteurs. Comme chez tout le monde. Foum. Un tour de laine, une underpearl au milieu. Allez, c'était fini, hop, on en c'était terminé. Bonne journée. Là, je suis en train de faire de la pression, quoi. Je vois comment ils font un. Il faut une jauge. Je l'ai, la jauge. Regardez, elle a la jauge. Ah, c'est un régulateur tube module, une jauge. Jauge, ouais. Faut une jauge. Faut une jauge en plus, une pressure jauge. Pourquoi il me faudrait une pressure jauge?
rien. Je vais aller sur le serveur de test en fait. En quelle couleur les fire? N'oublie pas si tu vas sur le serveur de test de. Ouais. Mets un petit écran de l'attente. Oui, je vais mettre un petit écran d'attente. Il n'y a pas de précieux. Oui, pour les ascenseurs pneumatiques sont bien plus classe. Oui, bah oui, je sais que c'est bien plus classe. C'est pour ça que je vous le fais, histoire qu'on mette un peu. En fait, si je fais les trucs les plus simples, au bout d'un moment, en fait, on n'a plus rien à faire. Et surtout, on dit, ouais, bah oui. Ah là, je m'emmerde un ouais, petit c'est peu. Moche. Un petit peu quand même. On va aller sur le serveur de test. Ça sera après la pub. Ah, les Fire Seed, c'est pas dans le Nether par hasard. Je remercie. Je vais attendre Julie. Un petit peu, je regarde ça. Peut-être. Mais, je vais regarder ça. Ouais, parce qu'après, il faut que je crafte. Ah oui, un bon paquet comme ça. J'ai déjà préparé. J'ai les 30 canon barrel. Il faut que j'en crafte 30 de chaque. Et on va monter après l'ascenseur jusqu'ici. Jusque ici. Là. À cet endroit-là. Et donc, après, il pourra desservir. Il faudra que je fasse les différents endroits pour l'arrêter. Tous les endroits du tronc, je veux ressortir de l'arbre à partir d'ici. Voilà, ça sera le premier étage, entre guillemets, la terrasse. Et après, on va refaire les maisons, enfin les maisons, différentes pièces à gauche, à droite, tout en haut. Je sais pas combien j'en ferai, on va voir. Peut-être 3. 3 ou 4. Une à gauche en bas, une à droite au milieu et une tout en haut. Voilà. Et en attendant, c'est un tunnel, regardez, grâce à mes ailes. Attendez, si j'arrive à sortir de l'arbre. Où est la sortie? En attendant, où est l'entrée? C'est un tunnel. Non pas Star Wars, mais Starwood. Voilà. Oui, j'avais pas mieux. J'avais clairement pas mieux, voyez. Donc. J'essaie de rigoler. Bon, déjà celui-là, il fonctionne. Il fonctionne. Alors, tu vois, il est quand même à 4 barres là, hein, celui-là. Comment bien, c'est que tu dis pas qu'il marche, quoi. Ah non. Là, il fonctionne. 0 barres. Il peut pas marcher. Il a pas de jambes. Ouais, on est d'accord. Là, il y a un bar. Tout à fait d'accord en gros. Mais l'ascenseur est resté pressurisé à 4,5. J'ai ouais. l'impression que c'est pas l'ascenseur qui pète, hein, lui, s'il a trop de bar. Non. J'ai l'impression que c'est vraiment le air compressor qui a trop de bar avant, ou la chambre en fait, à la sortie de la chambre. Vu que de toute façon, notre. La connerie en fait, c'est que l'air compressor il devrait être sur un système annexe, il devrait pas être relié directement à la chambre. En fait, tu devrais avoir la chambre d'un côté. L'ascenseur de l'autre et au milieu l'air compresseur et la jauge en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet de stocker l'air compressé, enfin pressurisé? Bah la chambre. Ça t'en génère et après bah tu utilises ce qu'il y a. La chambre elle en garde en fait, c'est son principe en fait. Donc faudrait peut-être que je change ça, mais ce qui m'emmerde c'est que si je veux les mettre au milieu de ligne, faut que je les mette là. Et après faut que j'aille les ravitailler. Et ou alors je fous une trappe ici, mais c'est dégueulasse, ouais, j'aurais tout voulu gérer d'ici. Donc je vais devoir faire avec les contraintes d'une pièce comme d'hab. Mais ça c'est pas très très grave encore. Ou alors faut que je fasse un circuit annexe. Ah, je peux peut-être relier le cul du machin à ici, le câble arrive ici. Je fais un test. Si je fais ça comme ça, est-ce qu'il se branche en dessous? Non, il veut pas se brancher en dessous, il se branche que par derrière. Oh le vilain. Pas de commentaire. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir. Oui. Oui, des ah oui Oui. Oui. Ah oui, oui, effectivement, t'as tout à fait raison, mon cher Alex. Écoutez-moi bien, bande d'abrutis. On se tape des barres de rire. Ça, c'était une blague, donc, mais... Oui. Donc, on va se retrouver d'ici quelques instants. On va marquer une courte page de publicité de 10 minutes. C'est la seule pub que vous aurez durant tout ce live. C'est maintenant, uniquement maintenant. Je vous invite d'ailleurs ceux qui le souhaitent à virer leur adblock afin que ça soit rémunérateur pour moi-même. Sinon, on pourra aller faire caca. Oui, vous ne quittez pas, on va se retrouver sur FTP, on sera sur le serveur de test, on va tester 2-3 trucs quand même, parce que là je pense que j'ai besoin de voir un petit peu comment je peux mettre ça en place. Où tu vas aller. Ouais, c'est ça. On se retrouve ici quelques instants, vous ne quittez pas. On revient. Toujours juste ici. Après la pub. Alors, avec plus de blagues, parce qu'on sera sur le serveur de test, là j'ai essayé de me concentrer, le cerveau je crois qu'il a claqué. J'ai 5 minutes, 10 minutes pour retrouver le cerveau. Vous ne quittez pas, on se retrouve d'ici quelques instants, on est ensemble jusqu'à 14h, les copains, à tout de suite. Je tiens à dire que tous ceux qui ont prévenu Hyper sont des enfoirés. Merci, toi. Ah, il est au courant. Sûrement. Il est 13h06 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Alex Click en compagnie de Foxine, Oro, Tado et Seigneur Dilando. Des fois, il passe par là. Bonjour. Bonjour.
très ton chelou. Nous sommes sur FTP 4 et vous avez une grosse patate, les gars, aujourd'hui. Je tenais à le signaler. Et, on est saoulés par ton histoire de Cid, là. Tu vois, tu nous casses les couilles avec ton machin. On sait pas ce qu'on doit faire avec. Tais-toi. Tu me donnes mal à la tête. Pas ce soir, chérie. Putain, il y a le feu où? Dans le compresseur. Donc, nous sommes sur le serveur de test. Il est sur l'autre serveur, mais c'est pas grave. Nous sommes sur le serveur de test et je vais, on va reproduire le modèle, voyez, pour pouvoir faire un test ou deux sur ces fameux comment on vire la pression. Voilà. Ce sera plus rapide sur le serveur de test. Je vais tout pouvoir me giver. Je vais tout pouvoir monter comme un port. Donc tout va bien. Ah merde. Donc, j'ai un souci. Oui. Il faut que le chat y m'aide. Oui. J'ai des Fire Flower Seed. Oui. Avec cela, je dois en faire du plastique, donc comme toutes les autres seeds. Oui. Sauf que quand je les lance, ça fout le feu. Donc elles brûlent. Et du coup, il n'y a plus. Et quand il n'y a plus. C'est pas Nether ? Si, mais j'ai les graines. Mais quand je les jette dans la chambre de compression, ça brûle. Donc quand ça brûle. Mais la chambre de compression dans le Nether ? Oui, bah oui, je vais me faire chier à amener la chambre de compression dans le Nether, bien évidemment. Est-ce que dans le Nether ça brûle? Ah non, ça brûle pas dans le Nether. Bon, je vais devoir amener la chambre de compression dans le Nether. Donc, au PPR, j'ai refait un système de base d'une chambre de compression. Dans l'idée, en fait, normalement, mon air compresseur devrait être ici et envoyé d'un côté ici. Comme ça, attendez. Ouais, bah alors, je dis que c'est con. Normal, oui. Mais... Je suis très con aussi, à un moment donné. Pneuma, voilà, donne-moi du pneuma, s'il te plaît. Voilà, donc, j'ai les tuyaux, oui. Donc, dans l'idée, voilà comment devrait être le truc. Je suis un peu emmerdé parce que je peux pas le faire en vrai, mais parce que ma pièce ne me le permet pas, mais il y a toujours des solutions. Donc, dans l'idée, oui, ah, je sais que t'es bloqué le tuyau, je sais que t'es bloqué. Voilà, tu arrêtes de me faire chier. Mais lève bien, Hooper. Ah ouais, je vais tester l'idée, ça. Dans l'idée. L'air compresseur, lui, envoie la pression. Il envoie de l'air. Donc il y a la chambre de pression qui est ici, qui va s'en servir, mais il y a aussi l'élévateur. Donc voilà comment ça devrait être. Moi, on peut le coupler en le mettant au bout du merdier et mettant une autre sortie, c'est pas un souci, c'est faisable. Donc, ça, soit dit en passant, ça marche. Pour vous expliquer les fameux elevator base, plus vous en mettez, plus vous irez haut. Pourquoi ? Tout simplement, alors là on va pas le voir, si on regarde ici il va nous dire qu'on monte pas, tout simplement parce qu'il faut aussi rajouter des elevator frame. Donc, si je vous mets un elevator frame maintenant, voilà, on va regarder, on en a deux, il va nous dire quoi ? Il nous dit qu'ici il est capable de faire 2 mètres. Ok, si on les enlève et qu'on fait, hop, on remet ici, ah mais oui, oublie pas de shifter, ici maintenant il nous dit qu'on peut faire 1 mètre, d'où 1 mètre ? Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de... Oui, d'accord. Voilà. Jusqu'où tu peux monter là maintenant, 2 mètres, on est passé à 6 mètres. Voilà. Donc à chaque fois qu'on en rajoute un, on rajoute 4 mètres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir rajouter un maximum d'élévator. Donc ça, c'est voilà, de base. Mais c'est pas le souci qui nous emmerde. Donc là, on a un élévator, il prend la pression, talali, talala. Sauf que la pression, elle monte. Elle va monter et elle s'arrête pas à 4 barres. Donc... Je veux pouvoir virer la pression. Pour cela, on a besoin d'un régulateur. Ça, je l'avais déjà. Ok. Maintenant, il faut que je l'alimente, ce régulateur. Il faut que je l'alimente à partir du moment où, et c'est là où je bloque un peu, où on est dépassé les 5 barres. Ça dit pressure jauge tube. Redstone qui relie la jauge à l'air compresseur égale contrôle redstone le signal. Donc en gros, tu mets un pression jauge tube, tu mets un fil de redstone qui relie donc de la jauge à ton compresseur et tu règles le compresseur que dès qu'il a pas de signal, dès qu'il a un signal, il se coupe. Hein, le signal truc. Ouais, mais en fait, dans le compresseur, j'ai ça, redstone behavior, ignore redstone. Ou height peut-être, redstone ouais, signal, voilà, tu peux... low redstone signal. Le redstone signal. Only redstone behavior. Ok. Donc, high redstone signal, je vais mettre en low. Ok. Et donc, si. Tu m'as dit quoi? Attends, je vais. Jauge. Pressure. Oui. Ouais, ouais. Pression jauge tube. Oui. Régulateur tube, ça dit. Hein?
Voilà, donc je mets ça au bout. Je lis ce que ça dit. Que s'il n'y a pas de pression, que s'il y a trop de pression... S'il y a trop de pression, ça va envoyer un signal, en gros. Il faut qu'il y ait un signal. Et... le signal de redstone doit être dessous ou pas? Ou est-ce qu'il doit être accolé? Accolé. Adossé à la colline. Oui, bah oui. Non mais viens voir sur le serveur de... On y vient à pied. On ne passe pas. Ceux qui vivent là... On je plante des graines. Clé. Merci Tado. Je vais mettre on un se retrouve ensemble. Voilà, pour le test. Si ça pète. Après des années de lutte. On s'en fout. Non. Oui oui allez-y. Allez-y chantez. Allez-y allez-y allez-y. Ça, ça meuble un petit peu pendant que pour une fois je fais appel à mon cerveau. Je regarde un peu. Pas ça Alex. Pression jauge tube. C'est pas un pression jauge tube ça. Ah c'est un régulateur tube module. Attends. Il faut un pression jauge tube. Ouais. C'est lequel? Le régulateur ici, c'est quoi? This module will stop pressurized air from traveling through this tube when a certain pressure. Alors celui-là, apparemment, il est manuel en fait, non? Non, il est pas manuel du tout en fait. C'est pas le bon apparemment. J'ai crafté pas le bon. Là, il laisse que sortir un certain pour la puissance que tu le. Mais je peux pas le paramétrer en fait. Il a pas de. Si? T'arrives à le paramétrer toi? Explication rapide, regarde. Toi? Ouais. Ok, selon le signal qu'on donne à celui-là, j'essaye de pressure régulière tube avec redstone. Regarde. Je regarde les infos, là, c'est 4 bars par exemple. Si je fais ça maintenant là, c'est 0,5 bars. Et là, c'est 4 bars. Donc lui, automatiquement, il laisse échapper un petit peu quoi. Ouais, j'ai pas tout compris, mais je sais que le réglage, c'est comme ça que ça se fait. Attends, après, comment il marche le fameux, lequel on concrètement, m'a dit, je sais pas. Laisse la pression monter au-dessus de 5 bars pour voir ce que ça fait. Oui, par contre. Merci les mecs. Merci Jean-Louis. Mais alors, j'ai pas vu l'autre. Il est où l'autre? Le pressure aircraft tube module. Automatique cerveau, on s'en branle. C'est thermal expansion en plus. Maximum attraction entity revenant. Bon, j'ai un souci, la TNT sur les graines. Ah, vis module, émetteur redstone signal. J'ai peut-être trouvé ce qu'il nous faut. Donc, pression jauge tube, ouais. C'est écrit. Oui, mais elle émet juste un signal en fait. C'est une jauge. Regarde oui, le safety tube module. Quand elle va émettre un signal, quand elle va atteindre une certaine pression, elle va émettre un signal. Ouais. Qui après va couper le compresseur. D'accord. Allez, Jean-Louis. Et on peut pas la mettre directement, non. Faut la relier comme bah, ça. Tu peux la mettre à côté. Ok. Voilà. Non mais là elle est pas vraiment. Si elle est reliée là. Je mets une deuxième ici. Voilà, il nous indique qu'on est à une barre. On va tout faire en même temps. Il faut faire le safety valve tube qui va retirer la pression à une certaine force. Ouais mais là on s'en fout hein, mais je l'ai le safety tube. Vous voyez. On en a plein. On a plein de trucs là. On a le régulateur. On a plein de méthodes en fait. Ah le safety. Le safety max visiblement c'est une jauge de une valve de sécurité. Ouais, apparemment. Il doit fonctionner comme l'autre. On en a plusieurs, on va bien trouver. Il faut pas le mettre au bout. Relie les deux à. Merde. Relie les deux à la vanne et le bidule. Ah bah oui, ça m'aide vachement ce genre de le phrase, bidule, vous voyez ouais. La compresseur, non, le safety valve tube va enlever la pression. Le safety valve tube. Bah oui, c'est ce qu'on veut. On veut oui, mais qu'il arrive on à veut 5 pas bars. Qu'il... Oui, mais on veut pas qu'il enlève toute la pression. Ah, il enlève tout lui, le safety. S'il enlève tout, ouais, c'est non, bon. Normalement, il enlève quand il y en a trop. C'est ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il la dit. La jauge permet d'arrêter le compresseur quand un certain niveau de pression oui. est atteint. Ça, oui, okay, la jauge, tu le dis dès que t'es à 5, par exemple, boum, tu coupes le compresseur. Alex, on m'informe que l'unité de pression bar est masculin. Je sais que t'en as rien à branler, mais. Mais c'est un bar. Mais il est pêché en haute mer ou pas? Je sais pas. Et on se tape des barres de rire du coup. Ah, des barres de rire. Des barres de rire. Only generate on low redstone signal ou en high redstone. Apply your redstone signal. Machine running. No problem. Ok, ça a l'air de passer en low redstone signal. Je vais tester. Alors, hein. Deuxième technique pour mes graines. La première, la TNT, ça marche pas. J'informe les viewers, ça détruit les graines. Appelle les Russes, ils s'y connaissent en gaz. Alex, ça je va pas. Je vais pas faire une blague, mais il y en a une autre si vous voulez. Hein. Il y a quelqu'un qui dit Alex, ça va pas que tu fais que là, tu fais travailler ton cerveau. Oui. Ah, alors, lui devrait faire travailler, travailler ton bécherel, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous faites quoi?
On faiblit là, on faiblit fortement. Ouais, le spécial. On peut se faire toutes les fées du monde si tu veux. Ouais. Non. Donc, est-ce que les jauges, ça se met partout? Est-ce que je peux mettre des jauges, voyez, comme ça? Non, ça ne marche pas. Jauger qui? Je voulais jauger la chambre de pression. Que de l'extérieur, on la voit jauger, tu vois. Jauger. Je la jauge. Je peux jauger partout. Jauger, jauger, fine. Merci, je sentais bien. Voilà, quand tu es un fou, tu peux foutre. Ah non, tu peux pas mettre des jauges partout. C'est vraiment. Non, non, tu peux pas. Coller à. Ok, coller à l'air compresseur. Arrête, arrête, s'il suffit, Oro. Tu peux pas foutre une valve sur un côté, juste un tuyau et la jauge dessus? Mais je sais pas en fait, je sais pas si ça suffira en fait. S'il s'arrête à 5 bars. Non, ta jauge. Ça a l'air d'être la même en fait, on fout en ici. C'est la merde. Je sais pas trop qui fait quoi. On a des jauges de partout. Qu'est-ce que tu fais? Non, je regardais la jauge, tu la mets juste à la sortie en fait pour savoir il y a quoi qui sort. T'as pas besoin d'en mettre ah oui, énormément. Tu peux en mettre une à la sortie, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc lui il est à 2 bars pendant que. Ok. Ils sont tous à 2 bars en même temps parce que c'est l'air oui, compresseur. Oui, c'est pour ça que je te dis, t'en mets juste une à la sortie. Bon, oui, mais là elle est plus reliée à. Il faut qu'elle soit reliée à l'air compresseur par un signal de redstone. La jauge. La jauge est juste là pour dire il y a combien qui passe dans le tube qui est. Bah, apparemment, collé, elle permet. Voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là-dedans? Là, il te dit qu'il est à 1 bar 8, donc il émet un signal de 3. De ce que je comprends. Emitting, signal. Oui, 3. Mais il faut le raccorder à la. À ce, vente, ce qui a l'air pas mal, c'est que. À vue de nez, ici, il n'y a rien qui sort. Pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. On est à 2 bars en même temps, donc là, tout va bien. Je pense que je vais rajouter des machines. Bougez pas. Oui, mais là, attends, ça veut peut-être dire que s'il y a 4 bars, ça va sortir. C'est ça que je voudrais voir en fait. Je voudrais une qui fait quand il y a 4 bars et demi ou 5 bars. Faut que j'en fous un en plus. Hein. Rien à secouer. J'en fous même deux parce que je suis un taré. Moi, tu verras le nombre ça que j'en ai de l'autre côté. Oui, ah, ah, regarde. T'en as mis. T'en as tu mis fais un comparator en fait et tu peux. Ah oui, le... toi t'as décidé de faire de la pression express toi. Oui, mais en même temps t'as un système toi qui permet ton. Tes tuyaux sont chiants à faire ceux-là. Les pressures tubes bleues. Tu fais un comparator donc... devant la jauge, ça permet de savoir le signal qui est émis. Tu vois, Alex? Ouais, ouais. Tu peux lui dire ouais, que dans ce ouais, cas-là, ouais. quand il atteint une certaine jauge, tu pouffes une lampe en face pour dire voilà le truc il atteint. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait. Moi, je veux juste une putain de barre de pression. Là, on arrive à 5, les viewers, là, les amis, etc. Oh, Ubisoft, ils sont sympas. Ils m'ont ramené, voyez, avec le courrier. Ils m'ont demandé hier, ils m'ont proposé, voyez, voyez. Alors, je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo, mais j'ai reçu. Ubisoft m'a offert Just Dance sur Wii, voyez. Ah mais si si, tu vas nous faire une vidéo. Non mais non, voyez, 41 nouveaux hits, Katy Perry, Lady Gaga. D'ailleurs cet après-midi dans le 15-17, dans le What the Fuck Party, on verra si on refait du karaoké. Bien jouer évidemment. En famille ou entre amis, Just Dance, bah merci Ubisoft, c'est sympa. Vous êtes sympa, ça comme quoi, je suis content de me vendre. Voyez. Et Pierre montre sa femme, oui, bah, et Pierre montre sa femme. Il alors, fait ce qu'il veut, hein. On est qu'à 2 bars. Putain, mais ça met 8 plombes, le merdier. Ça met 8 plombes. Quand tu veux faire un live là-dessus, en fait, où t'as 25 machines qui tournent en avance, et putain, et si ça pète, on n'est pas dans la merde. Tado, ça monte plus vite, toi, en termes de bars ou pas? Que dalle. Il en a foutu 25, y'a rien qui monte. Et pourtant, on veut pas dire que je fais pas des efforts. Merci, Tado. Une vidéo, ouais, arrêtez, Just Dance. Je ferai une vidéo dans mon salon, hey, promis. De quoi alors, pas par quand. Contre de Just Dance, j'ai reçu Just Dance. Perçu ceux qui ont des commentaires sur la femme à Pierre, ils seront bannés définitivement. Non, non, pas de 15 si à 17, de vous êtes fous. Si tu veux 5 bars, le safety valve va descendre la pression. Ah, intéressant, merci Edimal. Bon, si tu veux 5 bars, le safety valve va descendre la pression jusqu'à 5 bars si elle est trop haute. Le pressure régulateur va baisser la pression qu'il reçoit pour donner plus bas. Il va donner 5 bars. S'il avait 7 bars en amont, il va donner 5 bars en aval. Donc le pressure attends, le pressure régulator. Donc c'est ça. Pressure régulator, c'est lequel? C'est celui-là. Non, c'est le tube module. Oh, fait chier. Apparemment le safety, tu le mets et dès que tu es au-dessus de 5 bars, il pssst, tu vois, il dégage. Ça, bah, c'est comme la valve. Mais, comme sur la à cocotte. Le valve régulateur qui est là, il a l'air sympa comme fonctionnement, tu vois. Donc, si ça ne te dérange pas, moi je toucherai pas à ce. Ah, je touche à rien. J'aimerais voir ce qui fonctionne pour rester en dessous de 5 bars. Il en bien. En tout
Et je ferai la même chose avec un au cas où avec un Sestival, tu fais exactement le même module et on copie quoi et on va tester, on va bien finir par trouver quelque Moi, chose. Moi ce qui me plairait bien parce qu'en fait, j'aime bien le pressure jauge, si j'ai bien compris, il permettrait d'envoyer un signal à l'air compresseur pour qu'il arrête de chauffer, donc qu'il n'utilise pas des blocs de colle pour rien. Parce que le safety tube, si j'ai bien compris, dès qu'on va être à 5 bars, hop, il va virer l'excédent, ce qui est très bien. Cependant, j'aimerais que le air compressor ne continue pas de chauffer. Tu vois, tu sais, de faire un peu un système à l'electrical age. T'es chiant, toi, en plus. Bah oui, mais en fait, dans l'idée, je veux pas consommer 4000 blocs de charbon. Alors oui, on en a plein, mais quand même. Je pense qu'il y a moyen de toute façon de mettre un signal redstone sur l'air compresseur. Quand tu regardes dans les options du air compresseur, tu peux mettre redstone B-A-V-O-R-U-S. Dès que tu es aussi de 5 bars, tu risques une sacrée gueule de bois. Merci. L'ascenseur prend pas de l'air. Mais si, tais-toi. Regarde sur Twitter, tais-toi. Je pensais que Hey Pierre avait aussi gagné de l'argent pour l'année avec sa live FTP. Tais-toi. Voyez. Vous voyez tout ce qu'on subit. Et regarde quand même sur Twitter, t'as peut-être quelqu'un qui t'a envoyé des screens intéressants. Ah, c'est ça le regarde Twitter. Je sais pas. Alex, c'est un peu pourrave, mais ça représente bien l'idée. Ok, j'ai un truc. Bougez Est-ce pas. Est-ce que tu peux nous envoyer le lien pour qu'on le voit aussi? Oui, je vous envoie le lien. Copier l'URL de l'image. Voilà. Merci. Donc, compresseur, valve, c'est le premier système que j'avais fait en fait. C'est le premier système que j'avais fait. On va tenter de recopier exactement ce schéma-là. Ouais. Viens ici. Chambre, ascenseur. Oui, j'arrive. Où êtes-vous? Ici, ah, d'accord. Attends. Donc, exactement ce schéma-là, on a dit. Hein. Oui. C'est 3 les chambres. 3 par 3. Ok. Là, on monte. Hop. Non, on pose le reste. Moi, je pose. Ok, donc je pose le reste. Ok. Donc, P. Oops. Il va me falloir un ascenseur, un élévateur, du câble, un pneuma, la valve. Hop là, voilà, donc s'il me faut aussi. Tu mets la pressure. Ok, nickel. Donc, dans l'idée, c'est ça. Tac, 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 tac. Ok. Ici, et ici, on a l'ascenseur. Voilà. Hop. Ici, on a ça. Et ici, on a ça. Voilà l'idée. Voilà ce que j'ai reçu. Ou alors, je suis trop con et je sais pas lire. Mais probabilité aussi. Tu vois. Ça peut marcher comme ça. On arrive à 4 barres de l'autre côté, on va voir si ça pète. Aujourd'hui, c'est un live spécial, est-ce que ça va péter? T'as la pression, je vais l'appeler. T'as la pression. Le truc, c'est que c'est bien d'avoir mis la valve, mais on fait quoi maintenant Oui, mais cette valve, pressure barre 0, max pressure 5 barres, apply redstone 0. Ça veut dire quoi le THER sol? Au pire, j'aime beaucoup. Silver Tremac qui me dit au pire c'est bien des escaliers, non? Oui, ouais. Oui, j'aime beaucoup escaliers, les escaliers. Attends, je regarde Twitter. Il y a des infos qui arrivent. Non, il y a zéro info qui arrive. C'est la loose de l'info, Coco. T'as le look, tu vois. Mais j'aime bien alors, l'histoire des escaliers. Threshold. Oui. Ouais. Ça veut dire seuil. Pour info. Seuil 4 barres. C'est le seuil à laquelle, je suppose, ça s'ouvre. Il est à 7 barres. Ce qui est très bizarre aussi, si tu regardes bien. Le threshold est à 7,5 là. Hein. C'est que ici ton escalier est à 0 bar. Ton tether compresseur bon, a presque 4 bars et ta truc est à 4 bars. Mais ton escalier ici, okay. Il a rien pris. Que dalle. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est les jauges qui bloquent? Et là, on sait pas il y a combien. Ah, il est à 7 du rythme. Limiting redstone 8, max pressure 5 bars, pressure 4 bars 5. Ok. Ouais, ton élévateur est à 4 bar 3. Hein. Oui, il est à. Non, je le vois à 0, moi, mon élévateur. Ouais, je le vois pressure 4,4. Il monte. Ok, j'ai un problème alors. Attends. Ah oui, donc dans Wila, il le dit. Et sinon. Oui. Voilà, c'est ah, bon, voilà. Regarde, je l'ai réparé. Je pense que c'était un bug d'affichage que pour toi et moi. Ok, donc ça, c'est pas de souci. Donc. Ce qui est bien, c'est que là, il va monter. Oui. De ce fait, là, la pression est partie dedans, on l'a perdu un petit peu, mais c'est pas très grave. On va y arriver. Il faut que tu envoies un signal de redstone pour diminuer le seuil pour ouvrir la valve auto. La valve auto, pour moi, c'est la rouge. Donc, oui, mais là, elle est à 4. Donc moi, j'attendrais bien que ça soit à 4. Oui, et on va voir ce qui se passe à 4. Je pense qu'avec juste cette valve-là, ça suffit. Attends, je voudrais qu'on enlève juste, par contre, la valve, la safety tube module. Je la sauvegarde, mais je l'enlève. Voilà, je la sauvegarde. Enfin, je l'ai Alex, arrête avec l'air comprimé, fais des échelles en bois. Non, non, non. Des échelles dures pour ton niveau. Je m'avais demandé de me faire chier un peu pour une fois.
Je tiens quand même à signaler aux joueurs que ce qu'on vous fait là, ce n'est pas ce. Enfin, c'est réellement ce qui se passe d'habitude. On passe réellement pas mal de temps à faire des petites recherches. Si vous voyez bien, regarde, tu peux regarder un tout petit peu vers le village par là. Il y a plein de trucs de recherche. Je passe, regardez, je fais très vite, attention, non Non, non, ne spoil. monte pas, ne monte pas. Ah, il y en a partout. Enfin, clairement, en plus, c'est l'endroit où il y en a le moins, il y en a partout. Des blogs, des explications, des vérifs, etc. Il y en a Il y a un partout truc sur qui a la map de Dust. explosé. Oui. Qu'est-ce qui n'a explosé où? Et ça fait boum, c'est que c'est pas bon. Ah oui, non, mais en même temps, mais c'est quoi C'est toutes ces Tado qui rangées? fait tout péter. Ouais, Oh j'ai là! fait exploser mes trucs! What the fuck? Bienvenue au feu d'artifice. Oh le feu d'artifice. Oh le joli feu d'artifice. Bon allez, on va tout péter. Donc, ça me fait chier moi ces trucs-là. 4 barres, on est au-dessus de 4 barres là, lapin. On est au-dessus de Non, pète 4 pas tout, barres. tout, tout. Mais j'ai rien pété. Au-dessus de 4 Non, barres, j'ai y a tout, rien qui tout, part. Ah si, tout. lui il dit pression 3 barres 8. Pourquoi lui il a que 3 barres 8? Je suis à 4 barres, 4 barres. Ah ouais, ok, 3 barres 8, ok. Alors, 3 barres 8. Tado, j'ai peut-être compris, mais il vire que le tuyau en question, cet abruti. 4 barres 4, 4 barres 3. 4 barres 3. Et on va pas tarder à arriver à 5 barres. Et là, Le ça va truc, c'est que péter. dans le tuyau, il n'y a pas les. Alors, est-ce que Alors, si par c'est parce hasard on que prend. je pense que c'est pour ça qu'il faudrait le mettre en face. Si Attends. on prend ta valve, Tiens, attends, attends, regarde. qu'on la met juste là, ici. Oui. Ben moi, je vais la mettre en face de l'air compresseur, en fait. Donc là, Attends. Et... on a les watts qu'on préfère. Si tu la mets juste en face. Bon, j'essaye vite ça, ici, pour voir. Il est à combien là? 3 barres 5. Donc là, logiquement, il devrait évacuer. What is this Tu vois, là, logiquement, il doit évacuer, je suis fuck? Il désolé. doit évacuer, il doit faire quelque chose pour la planète, pour tout Il y a ça. 4,6 barres dedans, il met un truc, un seuil à Ça link des 3,5. vidéos. Peut-être Pardon? qu'avec ces vidéos, ça a mis un lien d'une vidéo, je vais regarder si ça concerne. Et fais la même juste en face pour voir, est-ce que c'est pas parce qu'il faut Attends, que ce parce soit que, en par face contre, là? stock. Pas du tout. Kick, no spam. Faire la même où tu veux mon coco? Parce que Juste en t'as le face. look coco. 3 barres Non, est-ce 5. que c'est ton... Il est censé évacuer là. Et là ça a l'air de marcher. J'ai l'impression que ça baisse, non? Non, je suis un abruti fini. Il est à 4-8 pour l'instant, Ah, il donc est à il est pas à 5. 4-8. Non mais en fait ma jauge est censée évacuer à partir de 3 barres 5. C'est ça qui m'emmerde en fait, c'est qu'elle est censée libérer à partir de 3-5. Je vais essayer autre chose. Ah là par contre ça libère là. Là, Hein. ça libère. Ok mais ça libère un peu trop, regarde. Bah, il va descendre jusqu'à 3 barres Je 5. ferai pas la petite go, bien Ok, évidemment. c'est lui apparemment. Attends. Je voudrais qu'on la cale. Alors Let it attendez. go! Je Let it go! Let it... 3-5. C'était quoi le problème avec Let it go? 3-5. Non, c'était libéré, délivré. Là, 3-5. Là, c'est Libéré! 3. Ok, plus. 4. Tu vas me dire à combien je suis là? Là, je suis à combien? 5-5. Kick Encore un surprise. petit coup. Je suis à 5-5? Là, t'es à Non, faut qu'elle soit à 5-5. 5, si elle dépasse 5, ça va péter. Et ça sera dans le rouge. C'est trop ça. Donc, je descends à 4-5. Ce serait bien de descendre à 4-5. Hein. Là, Pour ça descendre donne à 4-5, tu quoi? dois mettre 2 coups de redstone en moins. Là? Là, t'as 5. Là, t'es à 5 piles. C'est bien 5 piles. Ouais, c'est tendu, 5 piles. Hein. Donc, on va te faire un test et apparemment ça marche avec l'autre. Ça marche avec celle-là, apparemment. Avec la safety tube module. Et Sur non pas. exactement le même principe. Ouais, T'as envoyé un c'est deux modèle tuteur modules. encore une fois. C'est deux de safety tube Celui-là, module, je sais pas mais. s'il a besoin de Oh, respawn hein, j'ai parce une qu'il en idée, émet. Alex! Je pense que j'ai compris là un principe. Parce que là, le threshold est bien 5 barres. Oui. Attends. Ça augmente 0 par fil, 0,5 par fil Attends. de redstone. Oui, ça on avait compris. Là, t'arrives à calculer combien tu veux. En fait, Alex, ta valve, ton régulateur tube module, c'est juste elle qui va dire dans ce tube-là, il peut avoir une pression que de autant. Ouais, d'accord. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? D'accord. Donc en fait, à l'entrée, elle éjacule, elle l'évacue.
arrivé. Non, mais n'importe quoi. C'est elle l'évacue. Ok, elle l'évacue dans le tuyau. Ok, alors que le safety c'est un embout. Tiens, regarde pour le pour l'anecdote, on va m'envoyer un petit tweet. Regarde toujours ça, ça peut être sympa pour la suite. De voir comment lui il met pour ses chambres et tout. Il y en a qui m'envoient des photos de la femme de Pierre. Je la connais en vrai en fait. Il l'a déjà vue. Hein. C'est-à-dire, je la connais en vrai. C'est-à-dire, je sais à quoi elle ressemble. Oui. Ce que j'ai fait. En fait, vu que la juge, elle envoie un signal. Ouais. En fait, quand elle atteindra une certaine zone, et il alimentera le. Putain, je sais pas comment. Par contre, on a. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas d'abord tester le signal, le principe de base du machin. Ouais. Je remets un deuxième air compresseur pour essayer de. Putain, mais alors, en fait, ce qui est chiant, c'est que dès que tu perds de la pression, le temps que ça remonte, mais c'est la merde. On peut pas y mettre des upgrades dans les bécanes, non? D'abord, si moi j'ai crois réussi. On peut upgrader les bécanes à air compresseur, bouge pas. Je regarde upgrade. Pourquoi j'entends la petite? C'est de, à côté, c'est à côté, c'est pas grave. D'accord. Ouais, t'as un speed upgrade qui permet de produire plus d'air comprimé particules. Mêlée. Mais je sais pas c'est lesquels. Alors, speed upgrade. Ça doit être le speed upgrade de base. Puzzle. Machine upgrade, block tracker, entity tracker. Coordinate tracker, security, on s'en fout, c'est pour l'ascenseur, volume, dispenser, item life, c'est lequel? Drill laser, putain c'est lequel? GPS tool, on s'en fout, ça c'est pour qu'on voulait faire des canons, c'est rigolo aussi, des canons air comprimé. Ça permet en fait, ah tu connais pas Tado, c'est très rigolo le canon air comprimé, tu mets des items dedans, et t'as par exemple quelqu'un qui te dit ouais... Je suis à telle coordonnée, tu tapes les coordonnées et tu fais feu avec le canon et ça envoie les blocs. Sérieux? Ouais, tu peux livrer tes potes à distance comme ça. Alex, enfin, regarde, GPS. Regarde l'air compresseur de gauche. Ouais, ah voilà. Je vais mettre les upgrades dedans, regarde. Oh putain! Ah, par contre, tes blocs, prépare-toi tes à les retirer. Prépare-toi, oui, c'est pas grave, ça, on s'en fout, on est limité, mais ça nous permettra d'avancer plus vite. SK5 qui relâche. Tiens, ma question c'est SK5 bar. Ce serait mieux 4-5. Il relâche rien. Vire tout, Fox, vire tout. Ça a pété. Ah si, là, il relâche. Okay. Si, il a relâché. Ouais, il relâche. Il relâche à... Ouais, 5. Ok. Aïe. Boom. Oui, j'ai quand même eu peur. Donc, il faut le relâcher à 4-5, la pression. Ouais. Donc, reconstruisons. C'est bon. Déjà, Tado, il y en a un qui fonctionne. Il y en a un qui fonctionne. Enfin, là, on refait parce que ça a peut-être un peu pété. Mais donc, on en remet un là. On va lui remettre ça là. Et là, on est bien à 4-5. C'est ça. Donc, à 4-5 bars, celle-là va automatiquement se lancer. Le safety tube module va automatiquement libérer de la pression. Est-ce que t'as encore les jauges là? What the fuck, qu'est-ce que t'as foutu, Fox? J'ai mis un speed et dès qu'il est arrivé à 5, il a pété. Pourquoi? Pourtant, j'avais mis une sécurité à 4-5. Pourquoi elle va marcher? Ouais. Là, il est à 4-5. Elle est bien à 4-5 là, la sécu. Elle est bien à 4-5 là, la sécu. Pourquoi à 4-5 elle a pas pris en compte? Mais ça va me faire chier, moi je te le dis tout de suite. Je vais vous faire un ascenseur à basse d'échelle. Il relâche, descend à 4-5, déjà fait. On va attendre de voir en montant tranquillement. T'as les speeds sur toi ou pas? Ouais, ouais. Descends 32 et je te dis stop. Je le vois dedans normalement. Stop, 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 stop. Ah, mais c'est diminué. Ouais. Pourquoi ça diminue? Fais chier. Bon, bah, on va tout refaire péter. Feu! Vas-y, fous tout. Enfin, fous tout. 32, 32. On y va tranquille. Là, normalement, il devrait lâcher la pression à 4-5. Là, maintenant, tu dois relâcher la pression, Jean-Louis. Jean-Louis, relâche la pression! Ça va sauter! Ça mais va pourquoi sauter! Jean-Louis, non, j'ai retiré parce qu'à 5, ça va péter. Essaye de mettre à 4 plutôt. À 4? À 4 bars. T'as mis trop d'upgrades, ça dit. Ouais, possible. Là, tu vois, ça relâche la pression. On est à 4 bars 1, il la relâche. On peut le mettre à 5, c'est juste qu'il faut pas mettre d'upgrade. Mais en 32, pas 64, ça dit. On en a mis 32. Ouais, ouais, bah alors. C'est peut-être là, c'est bon, il est à 4 bars. Il est à 4 bars. Et normalement, ça marche. Le temps qu'il réagisse, en fait. Si ce système, on l'a compris, on peut l'appliquer. Pour relâcher la pression automatiquement.
Dans ce cas-là, il suffit d'un safety module quelque part où tu veux, en fait, dans un des tuyaux. Enfin, ou tout simplement, parce que comme c'est le air compressor qui donne tout ça, c'est au air compressor qu'il faut. Qui, c'est lui qu'il faut vidanger, quoi. Oh oui, vidange-le-moi. Oui, je sais, calme-toi quand même. Donc il faudrait que je mette la... faudrait que je mette tout ça en sous-sol, en fait. Il faut pas que je laisse là-haut. Quitte à trouver une trappe pour descendre, ou un élévator pour. Pour me un élévator magique. Maison 16, maison 16 alors. 4, 1, je suis à combien là? Est-ce que je peux avoir une jauge? Une jauge, je sens où les jauges, je sais plus à quoi ressemble. Sauf que vous allez tellement gaspiller de colle. Oui, bah oui, si on n'arrête pas l'air compressant, on va gaspiller du colle. Pour l'instant, j'essaye de voir avec ça, et maintenant on va passer à l'explication avec la jauge. Si tout fonctionne, on fait étape par étape. Déjà, on essaye, vous voyez, dans un système, on essaye de comprendre et d'évacuer, et une fois qu'on a évacué, on essaye de l'automatiser pour arrêter le four, parce que c'est purement un four en fait. Donc voilà. Bon, ça monte tranquillement. Je peux mettre en deuxième en fait. Mais j'ai plus de charbon. Voilà. Si tout se passe bien, on va voir si justement ça vide bien la. Parce que je suis curieux de savoir si ce qu'il a. Déjà, j'ai mis un signal de redstone qui est égal à deux fois la pression. Donc par exemple, s'il y a un bar, ça fait un signal de deux câbles. Ouais. Donc si on veut que l'air compresseur s'arrête de produire à 5 bars, il faut relier la jauge de l'air compresseur avec un signal de redstone 4, 5, de 10 non, de longueur. De 6. De 6. Threshold à 4-5. Threshold, c'est ben le... Normalement, ça fait 2 câbles pour 1. Donc si tu veux l'arrêter à 5 bars, il faut mettre 10 câbles de redstone en théorie. Tado, il a fait un 5-5 là. Il a fait une grosse chambre de... 10 caps de redstone, après l'avantage c'est que tu peux mettre un répéteur et ça te t'augmente le... Non, je sais pas. Normalement. Oui, t'as fait une grosse chambre toi, dedans. Oui, mettez en 10, mettez en 5. Arrêtez de spammer s'il vous plaît le nombre qu'il faut en mettre d'upgrade. Là, on en est où? Je déteste. 3, 8, ce qui est bien, c'est que dans mon câble, moi j'ai rien du tout. Ok. Attends, je vais venir voir, je regarde. Dans ton câble, t'as rien du tout. 5, c'est pas assez. En effet, tu as une déperdition quelque part. Bon, je joue pas au juste prix, les gens. Hein. Mettez-en 10, 9, 5, 3, 25. Un bar, 25. Tu dois avoir quasiment un bar qui sort en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, ta chambre de pression elle est là pour autre chose. Hein. Elle stocke, mais pas que. Elle est plus là pour de la transformation après sur oui, Pneumatic Craft. Donc comme... c'est pour ça que normalement on les met ici. Enfin, tu le mets au milieu du système en fait, ton four. Tu peux le mettre au-dessus en fait, mais le four lui va continuer. Donc ici on est à combien? On est à 4-5. Normalement il va commencer à s'exciter. Ah mais il est pas au bon endroit là, Fox, tu l'as mis. Si, si, il faut qu'il aille. Sinon il a pas le système. Ah oui. Moi je voulais voir s'il prenait quand même au-dessus. Ah tu vois là c'est bon. Il évacue bien, on est à 4-5. On lui a dit maximum 4-5, donc il évacue. Là, il évacue bien. J'ai tellement de gens qui m'aiment, calmez-vous s'il vous plaît. Le problème maintenant, c'est que les fours continuent, tu vois, on a passé les 4-5. Oui, mais... le four va continuer à chauffer, même si ça libère la pression. Ouais. La pression va être libérée, mais le four donc, va consommer... Donc en fait, il faudrait que je modifie, parce que je pense pas, de toute façon, mes deux chambres de compression, j'en ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin de mes deux chambres de compression, puisque c'est plus pour... Je veux bien voir ce que vous avez fait. Bah, il y en a une, ça va servir qu'à la transformation, mais on l'allumera vraiment que à ce moment-là. Ouais. Vous êtes quel côté? Mais l'autre chambre sert pas à grand chose en fait. Ton élévator, tu peux le travailler sans ta chambre de compression. Ta chambre de compression, elle est là uniquement pour pouvoir transformer des choses dedans. Elle stocke pas. Enfin, ce que je veux dire, elle stocke pas. Elle a des barres à l'intérieur, mais c'est tout. Elle utilise la même chose que le four. Ton alimentation, c'est le four. Donc clairement c'est lui qui va relier tout ce que t'as besoin en pression. Y'a que lui que t'as besoin de... Y'a que lui qui peut produire comme un port. Y'a qu'à lui que t'as besoin de mettre un tube module. Je pense que j'ai un souci sur le chat. Pourquoi? Pour moi la chambre de compression sert pas à... Je pense que j'ai une chambre de compression. Ah oui, effectivement. En fait il faut que normalement... Oui, une chambre de compression, ça suffit. Si tu la maintiens à 5 bars... Il n'y a pas d'intérêt d'en avoir deux. Donc moi, il faut que j'en démonte une et qu'en fait, je fasse ce système-là de l'autre côté. Avec deux comme ça... Dans la place que tu as. Ah ouais. Avec la place que j'ai, je mets mon truc dehors, là, mon air compresseur avec la redstone. Et YOLO, quoi.
Ah, mais là, oui, là, le truc, c'est que ça t'arrête pas tes airs compresseurs, tu Non, libères juste maintenant la il faut qu'on pression. trouve comment les arrêter. Bah, normalement, avec un. Mince. Il faut que je remonte dans le chat. Là au moins j'ai une sécurité pression. Maintenant il faudrait tester le même système, mais au lieu d'avoir le safety tube, c'est de lui dire tu arrêtes de fonctionner. Si tu es à Normalement, avec 4. la jauge émet un signal de redstone. Dès que tu es au-dessus de 4 bar 5, tu. La Voilà jauge émet un l'idée. signal. La pression jauge, truc. Tu peux pas la mettre en bas, ta pression jauge là, au sol? Te plaît? Ici là, juste en bas là, de ce bloc là. Ah, ici? Ouais, voilà. Pourquoi tu veux la mettre là? Elle émet un signal en fait, tu vois, regarde. Et là, regarde, c'est plus je vais loin, regarde, tu Non, vois, mais mon il faut signal que tu la s'arrête. relies. Mais il Mais faut en que gros, tu il faut la. la relier Mais il faut la relier au. à l'air compresseur. Oui, voilà. Donc, oui, donc je prends par exemple ici. Au Oui, pire, tu la mets de l'autre tac. côté. Ici. Voilà, là tu fais, il faut que tu mettes 10 câbles. Non, il faut que tu mettes 10 câbles. 10. Donc 2, 3, 4, 5, Tourne. 6, 7, 8. Ouais. Normalement, là tu vois, elle va s'arrêter. Après, tu la mets en low signal. Bordel chose là. Redstone, ignore redstone, high signal, low redstone signal. Là, normalement, elle va se couper. Bon, là, le truc, c'est que comme il reste des choses à consommer à l'intérieur, Mais attends, je suis un fou, tu à vois. moins que. Attends, il faut l'inverser en fait, normalement, parce que. Tu veux un test? Vas-y, Unlit cherche, generate, un fous-moi. low signal truc. Là, ça monte, la pression. Oui, mais le truc là, c'est que la chaleur, là, ça va pas couper. Il faut quand même la valve de Oui, sécurité. mais oui, mais pour que tu puisses la régler, pour qu'on soit sûr Ah que oui, le mais je four peux pas la s'arrête. régler, il faut que j'attende qu'elle finisse de consommer le charcoal qu'elle a. En fait, il faut toujours la valve de sécurité pour libérer la pression tant D'accord. qu'il y a Et la là, tu lui chaleur, as dit mais il faut combien? quand même 4 couper. barres. 4... Là, tu lui as mis J'ai pas pression à réglé là. 4, 4, Non, 5, là elle en est à fait, 4, lui, 5, non, non, lui, emitting redstone. lui, il envoie un signal constant, il envoie pour chaque barre, il envoie deux câbles. Donc c'est pour ça que si tu veux que ça coupe à 5, il faut mettre 10 câbles de D'accord, et redstone. là Là, on on a a 8. 8, donc là, à 8, ça 4 fait barres, 4, en gros, 5. elle va pas reconsommer de charcoal. Sauf que le charcoal, c'est un peu chaud pour tester parce que c'est une longue consommation de. Ah, Un c'est bon, long elle a. temps de Oui, chauffe. ok, envoyé. Je l'ai viré, je vais mettre du Ok. colle simplement. Donc, Parce que le colle a un temps de on va bien arriver brûlure à faire notre système. Si tu mets des moins sticks élevé. ou autre, ça Au va pire, vite. Moi j'ai envie de au dire que pire, le je fais miel marche. ça. Hop. Regardez. Donc là, je mets en Oh putain, ta chambre, low ça fait de la redstone. fumée dedans. Je mets ça et ça. Et là, normalement, il devrait pas démarrer. Et si, il démarre. Ah, mais si, mais parce que. Et tu veux mettre 10 euros, regarde. Ah, si, il est en dessous de 4 barres, donc il a démarré. Ouais, mais non, là, ça prend pas. Là, tu Ouais, mets mais sur l'autre, il celui d'à aura 10 côté. ici, pile, sur celui d'à Mais côté. celui-là, il brûle encore, du coup, attendez. Attendez, messieurs. Bon, on va y arriver. Je vais voir On va Tado prendre du pendant qu'il regarde ça. Je vois charcoal. pas, moi. Je. Moi, je Donc, m'en fous, ça Tado, marche. toi, t'as mis ta chambre. Ok. T'as mis tes trucs en haut. Mais en haut, ils vont continuer de produire, en fait, jusqu'à extinction du charcoal, quoi. Oui, ça, le Parce truc que c'est que ça va te vider le tout le risque, t'en charcoal. as 4 et chacun peut produire 5 barres. Donc, normalement, si t'additionnes, en tout, il devrait te produire pour 20 barres. C'est ça que je comprends pas. Ta chambre de compression. Je pige pas. Il reste bloqué. Bite pas l'idée. Si chacun peut produire 5 barres, ils envoient tous 5 barres Mais et dans ce donc cas-là, t'en dedans mets devrait y qu'un. Tu avoir mets 20 qu'un air barres. Non mais compresseur. Oui, il mais tu devrait mets y qu'un air avoir 20 barres compresseur. à l'intérieur et pas 4 barres et demie. À un moment Bah, donné. oui, mais il libère la pression, non? Il fait quoi, Tado? Je sais. Bah, Ah, mais Tado, il est où? Tado, oui, il libère Ah, la ça pression libère ici. devant. Ah, oui, mais t'as fait une grande chambre, toi, d'accord. Ça libère à 4 barres. Ah, mais tu veux qu'il y ait 20 barres dans la chambre de pression? Voilà, tienne, elle libère à 4 barres, ouais. Ouais, mais Mais dans non, ce il cas-là, peut faut pas y mettre les avoir autres 20 câbles chambres. qui La puissent supporter chambre, 20 barres. la chambre, en fait, elle a que 5 barres, elle laisse sortir après. Là, tu laisses sortir, et en fait, t'auras 20 barres dans la chambre si tu mets, si tu vires la valve. J'ai jamais dit que je voulais 20 barres, Non, moi. Non, 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 mais non. tu peux pas avoir 20 barres. Mais je dis juste Et qu'il y a qui a trop dit qu'on de. voulait avoir 20 Mais non, barres? je dis juste que normalement, théoriquement, 4 Non, air ça me consomme compresseur encore égale du 20 charbon, barres. je sais pas pourquoi. Parce que là, on est à combien? Chaque air compresseur fait 5 barres. Il y a un truc Ça a qui a bugué. sauté! Qui a explosé? C'est là-bas chez Fox. Je Non, c'est crois. pas chez moi, j'ai rien. Chaque air compresseur D'accord. pouvant fournir. C'est mathématique. Pouvant fournir T'avais 5 tellement gueule barres. 4. Si Ah tu oui, en mais mets là, ça peut 4, pas tomber 4 à fois 5 5 barres, barres. 20 barres. Ça peut pas stopper à 5 barres parce que ça monte pas à 5 barres là. Donc on va mettre un câble en moins. 1, Enfin 2, bref, 3, dans 4, l'idée, 5, ok, mais. Ou alors je fais une plus grande chambre de compression, mais faire une plus grande change pas grand-chose en fait, c'est juste visuel. Là j'ai 9 barres, mais le problème c'est que ça alimente jamais 9 barres parce que 9 câbles ça fait 4,5 et le truc c'est qu'on est à 4,5. Ouais, celui-là s'allume.
Ça devrait pas consommer là. C'est là, on est à 4-5. Donc là, ça devrait pas reconsommer. Ouais, un charbon, normalement, on va Il s'est voir. arrêté là. Non? Bah non, Non, moi non, je suis non, pas il est arrêté. toujours allumé, je sais pas. Je suis en Pourquoi? l'eau. Bon, on sait Ah, mais je suis en maintenant. ignore signal, c'est pour ça, Ah, voilà. on sait maintenant C'est en vider ignore signal. le tube pour pas avoir trop de pression. Cependant, maintenant il faut qu'on arrive à automatiser. Mais là, il faut attendre que ça consomme le truc. Pour les joueurs qui sont endormis, n'hésitez pas à taper plus. C'est quoi ça? Oh! Pourquoi ça me repousse comme ça? Ça expulse de C'était l'air, quoi ça? d'accord. Ça expulse de C'est l'air. un truc qui expulse de Ouais, l'air, par contre, vas-y, remets, remets, du remets! coup, t'as vidé la jauge et du coup, ça va pas marcher. Mais non, mais non, j'ai Ouais! rien vidé. Bah Non, si, là, tu vois passe-moi la bien, il est plaque, pas passe-moi allumé la le plaque, je vais câble. la mettre chez moi. Le câble est pas allumé, du coup, voilà, ça va reconsommer un charbon. Ah, attends, je vais Relance la mettre. plaque à ta dos! Ouais, je t'en donne ta dos parce que y a rabat-joie, il y a Madame Tête de cul, en plus elle pique tes blocs là. Et il pleut des Je pique. blocs. Là, les blocs, ça, Ça me ouais. fait plaisir. Bon. Pourquoi je Bon, l'envoie faire attends. un ascenseur comme ça? Tu peux Au pire, attirer mais Alex, l'un vous à avez côté de des ailes, l'autre. hein, rappelez-vous. Ouais, bon, on s'en Ouais. rappelle, hein, t'inquiète. Bon, je suis à 4,5 Oui, bars. mais Ce coup-ci, ça comment tu devrait pas veux. consommer de Ce que charbon. je veux dire, c'est que ça, on doit couper la safe zone. Oh, Parce que trop la fort! safe zone, elle est en 5. Si elle est à 4,5 bars, elle dépressurise. Oui, mais après, le truc, c'est que ça va s'arrêter le charbon. Faut couper avant, après, avant, après. Dans ce Normalement, cas-là, je la passe à ça va 5 arrêter bars. de dépressuriser après. Je la passe à 5 bars, le merdier. Ou ça pète à 5 bars. Ça pète pas à 5 bars, mec, net. Sais pas si ça peut être à 5 bar net. Nouveau test. Ça a pété tout à l'heure à 5 bars net. Apparemment, la pression ne s'additionne pas. C'est Ouais, comme mais la ça n'a pas consommé de température. charbon, regarde. Là, le charbon, ça n'a pas consommé. On est à 5 bar, ça consomme pas de charbon. Elle produit plus de d'air, elle. Et celle d'à Voilà. côté, il n'y a plus de charbon, Moi, donc c'est elle ce que produit je plus. veux, c'est que la safe à 5 bars, elle s'active, Donc là mais on est à que 4,5. À l'autre, quand on est à 4,5. 4-5, elle arrête de produire, et la safe, elle s'active à 5. Donc si jamais il y avait une couille dans le potage... Mais t'en mets qu'une, on en a pas besoin de 25 d'air compresseur. Non mais j'en mets qu'une, celle-là, on la vire si tu veux. Oui, Mais voilà, et ben ce que voilà. tu veux dire, c'est Ah que oui. ma jauge... Ah, si tu veux que Oui, je te la refasse le safe, en fait, système... la safe, il faut qu'elle commence à évacuer à 4,5 et que ça arrête de produire au même moment en What? fait. Ah oui, d'accord, c'est pour mettre les 3, 5, 4, 5, ok. Ouais, bah tu me diras, en plus je peux la laisser là. Je peux la laisser là sans problème, la safe. Ok. Donc Et là, là, on si est tu vides à. de l'air, si tu retires de l'air, pose une plaque ou un truc Là, comme je l'ai ça, là. mis à 5 bars. En fait, la safe, elle se déclenche à 5 bars. Attends, je vide mon inventaire, j'en ai partout. Voilà, la safe, elle se vide à 5 bars là. Ok? Ouais, mais ça arrêtera de produire. De toute façon, à 4 bars, ça va couper la production. Voilà, mais au moins t'as les deux. Si jamais, par Oui, l'opération le du temps que ça finisse Saint-Esprit, de cuire, le temps que ça tu finisse de vois, cuire le le temps que charbon ça et tout finisse de ça, cuire le charbon. ça peut libérer la pression Parce que supplémentaire. si je laisse à 4,5, ton four va jamais marcher si je laisse à 4,5. Oui, bah oui. Parce que ça va toujours virer de la pression. Là, tu vois, au moins une Lui, fois il est à qu'il est bon. 4,5. Essaye de vider de l'air là. Fais ouvrir la valve à 3 bars là-bas. Ou à 4 bars. Ou... Voilà, là, hop, ça a rebrûlé du charbon. Là, on est à 4 bars. Là, ça remonte à Ou Anibar, hein? 4,3. Anibar. Lecteur. Voilà. Ou l'amiral Akbar. Alors, les compresseurs produisent de l'air comprimé tout le temps. Bah oui, mais il faut les arrêter après. Le temps qu'il fonctionne, la pression augmente. Les 5 bars notés sur le compresseur, c'est la pression max qu'il peut supporter. Oui. C'est Oui, ça. oui, oui, oui. Il produit. Oui, c'est la max pression. À 5 bars, il explose, bien évidemment. Donc là, Mais là, oui, on est donc à j'avais tout 4 bars faux. 6. En 4 quoi font pas 20 5 bars, bars? vous avez raison, autant pour moi. Je dis pas que vous n'avez pas raison, mais je sais, mon cher Fox, qu'il est 13h50. Là, ça a fini de brûler. Voilà, ça s'est Donc arrêté. on va On est pouvoir à 4 installer bars ça cet 6. après-midi dans le live du What the Fuck Party qui ne sera pas rediffusé. Je le rappelle, les lives surprises de l'après-midi ne sont pas rediffusés. Donc ça veut dire que je ne mets pas deux chambres de compression, mais qu'une seule, quitte à en mettre une plus grande de 5, on s'en Et fout. après, on peut trouver un Et truc pour réduire devant, peut-être le en câble là. fait, à l'étage, on peut toujours faire que la chambre de pression donne en bas à mes deux. Comment ça s'appelle? À mes deux Oui, élévators. t'as deux Mais ascenseurs. Hein. si j'ai. Dans tout le circuit, si j'ai 4 bars, c'est pour tous les élévators, de toute façon. Donc comme je n'utilise pas les deux en même temps, ça devrait passer. Oui, bah oui. De toute Tu vois, façon, ça recommencera à produire dès que tu...
Dès que tu Et si utilises je le de mets l'air. à 4, 5, est-ce que là il reproduit là? Oui, il reproduit, tu vois. Ouais. Si je lui dis de vider de l'air à 4, 5, donc il faut bien lui dire Oui, à parce que 5. lui, si, mais là on est à 4-5. On est à 4-5, tu vois, ce câble est allumé, ça devrait pas produire. On est à 4, 4-6. 4-5, ça doit marcher aussi également. 4-6, 4-5. 4-5 reste allumé, c'est bon. Non, là il est pas allumé, tu vois, donc là ça va reproduire encore. Tu vois, donc en C'est fait, limite, ouais, il faut le mais là mettre tu n'y arriveras pas, à. c'est pour ça qu'il faut mettre la safety à 5 bars. Bah, Parce que si elle est bien mise elle à voit. 5 bars et que ça passe pas au-dessus et que ça explose, c'est bon, on est sauvé. Non mais s'il se rallume pas, il n'y a pas de raison, non? Oui, non, il se rallume pas, normalement. Non, non, bah non. Tu peux augmenter la pression max de ton air compresseur avec les upgrades. Je ne sais pas. Donc La on va faire production, ça. oui. Ouais, par contre, là, tu fais produire beaucoup, donc ça monte. T'en as 4-7. Normalement, il devrait même s'arrêter avant les 5 bars, en fait. Ah oui, mais sauf Il le s'est arrêté. charcoal, non. Le charcoal, lui, produira plus d'énergie, comme il Oui, brûle donc on plus mettra longtemps. du coal classique, je m'en fous. Oui, de toute façon, le colle classique, Pour des c'est raisons de juste que le charcoal sécurité, brûle voilà. plus longtemps. Mais ça produit Parce que c'est un la même puissance. assimilation. Oui. Oui, enfin, tu fais comment pour faire du coal classique, Alex? Non, mais du colle, on en a 11K, donc. On a 11K. En fait, une Oui. fois qu'elle est allumée, non mais regarde, une fois que j'ai 4 bar 5, même si j'utilise mon ascenseur, Oui, ça va consommer deux colles, quoi. Ça va pas consommer. ça consomme que Voilà. dalle en fait, une fois que tu as la pression. Ce que je veux dire, Parce c'est qu'à que quand il chaque n'y a plus de fois. 11K, il n'y a plus quoi. Oui, il y a plus de. Oui, mais on peut utiliser du charcoal. Tu C'est peux juste qu'il faut utiliser du pas utiliser charcoal. les blocs de colle. J'utilise Tu du vas utiliser charcoal des après. blocs. Oui. C'est Non, non, éviter le d'utiliser charcoal, les voilà. blocs de coal en C'est les fait. blocs qu'il faut. Ce Charcoal, ça colle. va alors. Oui, Voilà. charcoal, on a le droit. Oui, c'est les blocs, oui. Puis d'accord. Bon. Ben, on verra ça tout à l'heure. Stream de 15h à 17h sur ma chaîne perso. Ça sera un live non rediffusé. Je serai toujours en compagnie des trous ducs, en tout cas d'une bonne partie. On mettra ça en place. Donc on refera tout le sous-sol, histoire que ça soit fait. Il faudra aussi qu'on travaille les élévators. Mais au moins, vous aurez eu pas mal de. La suite de nos. Voilà. Ça va? Super. Oui. Voilà. Il faudra aussi, mon cher Oro, qu'on voit pour, du fait là, la chambre de pression, mettre l'item pour pouvoir travailler dedans. Ouais, il y est déjà On le sur ta fera. maison. On fera tout ça et donc on mettra ça en place tout à l'heure avec la safety et on mettra tout ça à l'étage en fait de cette. On n'aura Faut pas que j'aille besoin de voir se d'ailleurs si ça cacher. pète pas chez toi. On n'aura pas besoin de se cacher en sous-sol. En fait, je ferai redescendre sous ma chambre de pression pour aller directement aux deux ascenseurs. Ok? Je pense que Alors. ça peut passer. J'espère. Il y a Kiwiz en fait qui est plus insultant que ceux qui saoulent, voilà, hop. C'est toujours Et le chat. Mesdames oui. et messieurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera sur la TV1 demain à midi 14h pour la suite avec un écran vert toujours aussi dégueulasse, mais ça ne change pas. Vous me retrouverez sur ma chaîne perso à 15h. Toutes les infos sur Twitter et Facebook. Moi, je vous dis à demain. Un grand merci à vous, Monsieur Oro. Merci à vous. Merci, Monsieur Fox. Ouais. Et merci, Monsieur Tado. C'était pas un vrai plaisir. Bah, je sais, mais bon, écoutez, vous enverrez votre chèque. Allez! Hein? Ah, quoi? Un Trop tard, chèque. trop tard. Ah bah Il va vous, j'ai trop la t'augmenter de mauvaise 10%, tu vas humeur. Hein, voir. c'est écrit bonne humeur dedans, s'il vous T'as plaît. dit que j'aurai un chèque. Un Il va chèque. t'augmenter de T'as dit que 10%. j'aurai un chèque. Oui, je t'envoie un chèque de 2 centimes. Je peux faire des chèques pour 20 centimes. Allez, mesdames et messieurs, bon après-midi sur Gaming Live. On se retrouve demain ou tout à l'heure. Voilà, ad vitam, ad peram, expertam. Vous avez Monsieur Xeleco juste après moi sur du Heroes of the Storm. Bon après-midi sur Gaming Live et à demain. Ciao! Au revoir.